Parti. Yes. Ben Maxime, euh, bonjour. Salut. Donc cofondateur de l'association euh, Stop IA. Posia. Ah c'est Posia. Ouais. Tu vois j'ai déjà fait une euh, <laughs> j'ai déjà fait une erreur. Euh, Posia et euh, envie de dire le nom est euh, assez explicite dans le sens où euh, où on comprend les, les, les revendications mais peut-être tu peux expliquer. Euh... Ouais. Mais bah... bah justement je pense que c'est intéressant que ce soit Posia et pas Stop IA parce que nos revendications, pas, on n'est pas des technophobes, on n'est pas juste en train de dire qu'il faut qu'on arrête complètement l'IA, on demande juste de faire une pause dans le développement des modèles les plus avancés et les plus dangereux, parce qu'en ce moment, on est en train de faire ça très bêtement. C'est-à-dire que là, il y a des labos qui sont en train de foncer le, le plus rapidement possible pour développer euh, une super intelligence, en gros, c'est leur but explicite, euh, et s'ils continuent comme ça, ça va très mal se passer, alors que c'est une technologie qui pourrait avoir des, des bénéfices immenses. Si on prenait le temps de faire les choses bien. D'où le nom Pause IA. On veut mettre en pause euh, cette, ce, ce développement de modèles dangereux, le temps de résoudre certains problèmes euh, avant de pouvoir recommencer et faire ça, faire ça bien. Et, euh, et là, tu as parlé de, de super intelligence. Enfin, je, je vais te poser deux questions en une, en fait. Tu as parlé de super intelligence. Est-ce que tu peux peut-être le définir mmh. et, euh, et aller. Euh tu as parlé de deux choses. Tu as parlé de super intelligence et tu as parlé de résoudre certains problèmes. Est-ce que voilà, tu peux, tu peux ouais. développer là-dessus un peu Alors, ces euh, labos, euh, OpenAI, DeepMind, Anthropic, euh, Meta maintenant, qu'est-ce qu'ils qu essayent de faire C'est euh, bon, écrit euh, noir et blanc sur leur site web. Ils essayent de créer, euh, donc, en anglais, ils appellent ça AGI, Artificial General Intelligence. Ah, D'ailleurs, je vais commencer par mettre un petit euh, caveat <laughs> pour, euh, pour les spectateurs. Euh, je voudrais juste dire que. Euh, mon français n'est pas le meilleur parce que j'ai habité 12 ans en Angleterre. Donc, il euh, y a des moments où je vais utiliser des anglicismes euh, et j'en suis désolé. <laughs> ils, euh... sont habitués, <laughs> ouais, avant, ils sont habitués, on en discutait Avec <laughs> Georges et moi, ils sont habitués. Voilà, du coup, donc ces labos, leur but, c'est de créer une intelligence artificielle générale. Donc, l'idée, c'est un système euh, qui soit, donc, on peut dire, plus intelligent que l'humain, mais euh, la façon plus euh, stricte de définir ça, c'est euh, un système qui soit plus à même d'effectuer de, toutes les tâches imaginables qu'un humain. C'est peut... une façon qui marche pas mal pour éliminer les ambiguïtés. Quand on parle d'intelligence, c'est toujours un peu, un peu étrange. Euh, donc si on imagine une liste de tâches, euh, ça pourrait être écrire un livre, ça pourrait être déboucher un évier, ça pourrait être euh, euh, faire un café, ou <laughs> tâches autant intellectuelles que manuelles ou quoi que ce soit. On peut euh, imaginer, comparer deux entités qui font cette tâche et, et juger laquelle, laquelle est, est la meilleure. Par exemple, deux humains, on peut dire Ah, tel humain a écrit un livre mieux que tel autre, etc. Donc, l'idée, c'est euh, on va définir intelligence artificielle générale comme un système euh, tel que si s'il euh, si fait une tâche qui est faisable par un humain, euh, un juge euh, externe dira Ok, ce système fait la tâche mieux Qu'un humain. Et à partir du moment où le système est capable de faire toutes les tâches imaginables mieux qu'un humain, alors, ou mieux ou, ou à peu près euh, au même niveau qu'un humain, là, on va dire que c'est une intelligence artificielle générale. Donc générale, c'est ça, 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 par rapport à la, euh, à la range, euh, au, à, oh, comment dire, à toutes les tâches possibles. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que. Euh si, euh, si, 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 si tu arrives à performer mieux qu'un humain dans toutes les tâches euh, que, les, que les humains peuvent, euh, peuvent faire en gros tu peux octroyer euh, le titre d'intelligence générale en fait c'est ça, ça donc pour le moment les humains sont les seules intelligences générales sur cette planète évidemment comme c'est comparé avec les humains euh, c'est normal mmh. mais là on est sur le point de créer de nouveaux systèmes, qui vont être des intelligences générales. Donc, il y aura quelque chose d'autre sur cette planète bientôt qui sera au même niveau qu'un qu humain, dans toutes les tâches possibles. Alors, évidemment, c'est probable, c'est-à-dire peut-être que ça n'arrivera pas. Euh, là, pour le moment, on dirait que ça va arriver d'ici 3 à 5 ans, mmh. selon la, la plupart des estimations. Euh, donc, euh, voilà, c'est à peu près le, le prémisse de. Ouais, et, euh, et ça, c est, c est, on peut peut-être insister là-dessus. C'est vrai que je pense que pas une constatation que beaucoup de gens se sont faites. Euh, que, en fait, euh, alors j'ai peut-être une bêtise, mais euh, moi, de la façon dont, 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 dont je le vois, il y a, y a quand même une, une cassure entre euh, les animaux et, et, euh, et l'être humain. C'est-à-dire que, en fait, euh, si tu prends. Euh, un ver de terre, euh, une poule, un chimpanzé, ok, tu vois qu'il y a, il y a euh, entre, entre guillemets une, euh, une, euh, un, un, un spectre de l'intelligence. Par contre, euh, j'ai cette impression que l'être humain, c'est le seul à avoir euh, l'intelligence générale dans le sens où il produit de la connaissance à partir de la connaissance. Et, euh, et en fait, ce, cette particularité-là, nous, on s'est habitués à être les seuls à l'avoir. Mmh. Et, euh, et là. Euh, euh, en créant euh, euh, une intelligence artificielle générale, quelque part, on va en créer euh, une deuxième euh, sur cette planète. Et en fait, euh, j'ai presque envie de dire, tu vois, tout à l'heure, tu disais euh, intelligence générale, c'est euh, qui fait tout mieux que l'humain. Mais est-ce que finalement, on pourrait pas étendre la définition et dire euh, ça peut aussi être euh, il fait tout comme l'humain, euh, aussi bien euh, finalement Oui, bah justement, pour moi, c'est à peu près la même chose. Parce qu'à partir du moment où on fait tout aussi bien que l'humain, ça inclut faire de la recherche en intelligence artificielle. Voilà. Donc, bon, ça, c'était l'argument de Nick Bostrom. En euh, mm. gros, à partir du moment où on a un chercheur en intelligence artificielle euh, artificielle sur cette planète, même s'il est juste au niveau humain, donc disons qu'on crée un nouvel euh, Ilya Sutskever. Donc, Ilya Sutskever, c'est le, le chef euh, chief scientist à OpenAI. Enfin, c'était maintenant, il, il est parti après avoir essayé de, de faire virer le PDG. Euh, <laughs> Donc il est, il est considéré comme une des meilleures personnes dans le monde en intelligence artificielle. Si jamais on arrive à, à l'automatiser, à créer un, un système qui est aussi bon que lui, immédiatement, on peut en créer 1000 ou 1 million. Parce que bon, tout dépend comment la technologie évolue, mais a priori, si on reste sur le, le type de modèle actuel, euh, entraîner un, un de ces modèles, c'est ce qui coûte beaucoup, mais ensuite, le, en inférence, c'est-à-dire quand, quand on l'utilise, c'est pas très coûteux et du coup on pourrait le copier-coller et en faire plein. Les humains on peut pas vraiment les copier-coller. Ça prend beaucoup de temps pour, pour obtenir un IA sudskever Il faut une, une trentaine d'années et, et beaucoup d'entraînement. Euh, alors que là d'un seul coup on se retrouverait avec la possibilité d'avoir des milliers d'Ilias qui travaillent en, en parallèle sur le problème. Donc on peut imaginer que a priori le, le niveau des IA augmenterait très rapidement. Mais euh, ça, ça, ça c'est un point intéressant. En fait, c est, c est que déjà, tu peux le, le copier-coller. Mais un autre truc euh, qu'il faut savoir, euh, c'est que euh, bah, les, les ordinateurs ont cette capacité que n'ont que pas les humains euh, à être euh, des ordres de grandeur plus rapides. Euh, typiquement, euh, si tu, si mmh. tu prends euh, une, une, une calculette, euh, il est déjà beaucoup plus fort que toi et moi. À calculer des trucs. Et si tu prends euh, un data center, il a beaucoup plus de mémoire euh, que toi et moi. Donc si tu, si tu combines la, la vitesse, la mémoire et le fait que, euh, bah, en gros, tu, tu es intelligent, ça commence à piquer un peu. Ouais. Ouais, et ça, c'est quelque chose, en, encore une fois, qui est trop sous-estimé. C'est-à-dire que, bon, encore une fois, tout dépend comment ces systèmes évoluent. Donc là, on est encore à quelques années, a priori, avant d'obtenir un système super intelligent. Et euh, selon. Est-ce qu'on va rester sur les mêmes paradigmes ou pas Ça va changer la donne. Mais si on reste sur les mêmes paradigmes, là on est sur des systèmes, euh, donc ChatGPT, si on essaie de comparer euh, la rapidité pour produire un, un train de pensée assez court de, de ChatGPT versus un humain, ChatGPT est environ 50 fois plus rapide qu'un humain. Mmh. Et si ça, reste, euh, si ça reste comme ça, alors il y a une expérience de pensée qui est assez intéressante. C'est-à-dire que quand on va créer quelque chose d'aussi intelligent que nous, ce ne sera pas une comparaison comme euh, s'il y avait un nouvel animal sur cette planète qui était plus intelligent que nous. Ouais. Ce sera plutôt comme si nous, on était des euh, végétaux. <laughs> C'est-à-dire que <laughs> du point de vue de l'IA, euh, qui s'y si allait 50 fois plus rapide que nous, nous, on est un système qui montre des signes d'intelligence à des échelles de temps assez larges. Ah, on, on bouge très lentement et si jamais on nous laisse beaucoup de temps, on va faire peut-être des trucs intelligents. <laughs> Mais... C'est un avantage immense. C'est-à-dire que <laughs> juste avoir un humain qui est 50 fois plus rapide que les humains habituels, ce serait déjà probablement un risque existentiel pour l'humanité. Mmh. <laughs> juste un seul. Mmh. Euh, donc voilà, c'est un point auquel il faut pas mal réfléchir avant de, de créer ce genre de système. Oui, il hum. y, a, y, a, y a un aspect, euh, là on est en train de toucher à l'aspect euh, vitesse, à l'aspect euh, cinétique. C'est-à-dire que, euh, si, si, si je me remémore l'argumentaire, c'est que, en gros, l'homme est une entité qui fabrique des machines. À partir du moment où tu fabriques une machine qui est meilleure en tout point que l'homme, cette machine va pouvoir fabriquer d'autres machines. Et euh, si elle le fait, comme tu dis, à des vitesses qui sont à plusieurs ordres de grandeur euh, plus rapides que, que, que l'être humain, bah, tu peux avoir une explosion d'intelligence... Et donc là, on en arrive à la super-intelligence, c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est mmh. plusieurs ordres de grandeur au-dessus de, de, de nous, en fait. Oui, et alors, pour le coup, c'est pas garanti que ça va se passer comme ça, dans le sens où, euh, donc, euh, il y a encore euh, quelques années, quand Nick Bostrom avait sorti son livre, euh, donc, je crois que c'était en 2015, euh, Super-Intelligence, c'était encore, c'était vraiment dans le domaine de la science-fiction, dans le sens où on n'avait pas, pas de chat GPT, on avait juste un modèle mmh. qui qui Venait de battre le meilleur humain au go, ce qui était déjà un signe que ça allait marcher, mais mm. pas, pas tout le monde l'a vu. Euh, et du coup, à cette époque, on savait pas trop comment ça allait se passer. Et euh, une des théories prédominantes, c'était l'idée d'un hard take-off, donc l'idée qu'il y ait une explosion d'intelligence soudaine. Euh, et maintenant, ils, on, on commence à avoir des, euh, des indices qui nous disent que ça va peut-être pas se passer comme ça, on va peut-être être sur un scénario plus lent. Euh, auquel cas, c'est possible qu'on n'atteigne jamais la super intelligence, dans le sens où il y aura peut-être des risques catastrophiques pour l'humanité avant ça Ça, c'est est intéressant. Est-ce que tu pourrais pas. Parce que ça, ça je trouve justement, ça, ça, ça m'intéresse, parce que je trouve que c'est hyper contre-intuitif pour moi et je pense que c'est contre-intuitif pour les gens. Parce que, à partir du moment où les gens ont été euh, éduqués à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'en gros, tu leur as dit. Euh, euh, tu vois bien que ta calculette est un milliard de fois plus rapide que toi. Enfin, si, si, voilà, si, 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 si tu lui demandes une opération, elle va le faire en deux secondes. Toi, il va te falloir euh, euh, potentiellement une heure en fonction de, 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 de la complexité de, de, de ce que tu veux calculer. Euh, ça, je pense que c'est contre-intuitif pour les gens de se dire euh, que va pas y avoir euh, un décollage euh, ultra rapide à partir du moment où l'IA est plus intelligente que nous et à partir du moment où elle peut. Modifier son propre code et améliorer son propre code, pourquoi elle pourrait pas en une heure euh, faire, euh, on va dire, euh, <laughs> 500 ans de, de, de progrès oui. Ça, je, 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 je pense que c'est un peu contre-intuitif. Tu peux expliquer ça Ouais. Il y a plusieurs euh, façons de voir les choses. Bon, il y a déjà, d'une part, le fait, cette idée qu'il peut-être y avoir peut un risque catastrophique qui arrive avant qu'on ait quelque chose de super intelligent. Et pour illustrer ça, on peut imaginer. C'est possible que ces systèmes, donc les LLM, deviennent meilleurs que les humains euh, dans certains domaines avant d'être des intelligences générales. Euh, donc c'est possible qu'ils deviennent meilleurs que les humains euh, spécifiquement en programmation et, ah en, oui. et en hacking avant d'être des intelligences générales. Si ça, ça se produit, on va arriver à un scénario catastrophe euh, du style euh, l'Internet disparaît du jour au lendemain. Euh, auquel cas, ce serait. Bon, ce serait une catastrophe absolue pour l'humanité. Ce serait peut-être pas existentiel dans le sens où les humains continueraient à exister. y, y ah, J'ai pas compris euh, peut-être pourquoi okay. Internet disparaîtrait. Donc, euh, si on a des systèmes qui sont qui deviennent super humains en programmation et en hacking, mais qui ne sont pas des intelligences générales, alors il y a plusieurs scénarios catastrophes qui émergent. Donc, il peut y avoir une personne qui décide d'utiliser ça pour hacker tous les systèmes du monde ou créer le plus de chaos possible. Et encore une fois, on parle de systèmes qui sont. 50 fois plus rapide que les humains, qui peuvent être copiés-collés, etc. Euh, à partir du moment où ce système existe et est utilisé euh, à des fins euh, négatives, ça peut être très très rapidement le chaos, parce qu'on n'aurait pas forcément de, 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 de façon de s'en euh, défendre. Ça peut être aussi un système qui euh, est agentique, donc euh, un agent autonome qui a ses capacités euh, de programmation super humaine et de hacking super humaine. Et qui se propage sur Internet et qui commence à hacker des systèmes un petit peu de partout. C'est un, un scénario qu'on appelle Autonomous Replication and Adaptation, qui est pas mal étudié en ce moment en sécurité de l'IA. Il y a une très bonne vidéo de, de Charbel Raphaël ségerie le, le directeur du Centre pour la sécurité de l'IA français, euh, sur ce sujet d'ailleurs, sur YouTube. Donc, ça, c'est un scénario catastrophe potentiel qui, euh, qui pourrait se déclencher d'ici peut-être un à deux ans. Euh, C'est marrant parce que la plupart des gens pensent qu'on est dans le, dans le long terme, alors que de mon point de vue, on est vraiment dans du très très court terme. Euh, et si ça se déclenche, on arriverait probablement à euh, un monde où le, nos systèmes informatiques ont été, euh, ont été rendus inutilisables. Et ça, ça arrêterait la recherche en intelligence artificielle assez immédiatement. Et, euh, et je n'avais pas pensé à ça. Ouais. Et je vais essayer de reformuler ce que tu as dit, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Euh, donc en fait, toi ce que tu dis, c'est que probablement euh, avant l'intelligence euh, générale, je reformule, hein, on va avoir euh, une intelligence euh, artificielle qui est euh, super humaine dans certains domaines, par exemple le code, et que euh, le fait que, 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 que cet outil, entre guillemets, existe euh, pourrait être utilisé par exemple euh, par des gens malfaisants. Et, euh, et si c'était le cas, euh, ça serait sans doute la fin d'Internet pour toutes les raisons que tu as expliquées. C'est ça. Ça serait une espèce d'arme de destruction massive euh, dans le domaine virtuel. Après, il euh, bon, y, y, y a plein de scénarios possibles. Peut-être qu'on arriverait à créer une défense en utilisant ces systèmes avant qu'on crée une attaque. Ça paraît pas très probable. Quand on, quand on commence à y réfléchir, le, les attaquants euh, ont un avantage, enfin, la, la première frappe, etc. Euh, donc ça c'est une possibilité c'est-à-dire qu'on n'arriverait pas à créer une super intelligence juste parce que euh, on aurait créé quelque chose qui commence à détruire un peu okay. tout le système avant mmh. après euh, il ouais, y avait un autre euh, je de me souvenir une autre idée en tête pour ça euh, une raison pour laquelle on ne créerait pas une super intelligence oh, j'ai oublié maintenant <laughs> ça va revenir c'est ouais, ouais ce qui ce qui Ouais, mais c'est ça. Moi, j'avais pas pensé à cette catégorie de. Euh, en fait, ça, 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 c'est pas général, mais ça devient assez super humain pour être euh, assez délétère pour nous handicaper fortement. Ouais. Ben, c'est possible. C'est aussi ouais. possible qu'il y ait quelque chose qui arrive dans le domaine des, des pandémies. C'est-à-dire que là, en ce moment, le, un bottleneck pour créer un virus vraiment, euh, vraiment mauvais pour l'homme donc, genre Covid euh, sous stéroïde mmh. C'est pas la synthèse du virus. C'est-à-dire que maintenant, on a, des, on a la technologie pour, pour euh, créer un virus. Par contre, ce qui manque, c'est savoir comment faire pour assembler un virus qui, soit, qui ait les caractéristiques telles qu'il euh, soit extrêmement à la fois mortel pour les humains, mais se propage très vite. Et, euh, et, et ça, c'est typiquement le genre de domaine où l'intelligence artificielle est en train de devenir très, 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 très forte. Ah oui. euh, sachant que. Il existe déjà des labos, euh, des labos entièrement automatisés. Donc, il euh, y, y a des labos où on peut demander à ChatGPT de synthétiser une protéine et juste à partir de l'instruction qui est donnée, euh, tout automatiquement se fait et euh, les et le, les protéines sont synthétisées. Donc, euh, si jamais on, on, en gros, si jamais on obtient le, comment dire, la recette pour créer un virus extrêmement dangereux grâce à ces IA euh, et si, si, si cette recette se répand sur Internet. Euh, on est très très mal. Parce qu'il y a beaucoup de labos qui existent qui ne vérifient pas vraiment euh, le, le, ce qui est, les instructions qui leur sont envoyées pour créer des, des, euh, des protéines. Des... Mmh. Euh... Ouais, mais c'est-à-dire que. Ça, 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 je connais pas bien. cest à que si. Euh... J'imagine qu'il des... il il existe des bases de données avec tous les virus existants, euh, même les plus méchants. Euh, donc euh, j'imagine qu'aujourd'hui on saurait déjà euh, imprimer entre guillemets euh, les virus les plus méchants mm. mais toi tu dis que ça suffirait pas <laughs> il faudrait enfin que, que ça, c même, même ça ça serait pas assez dangereux mais que potentiellement on pourrait en créer des plus dangereux pour le moment il y a pas de virus bon oh, je suis pas je suis en dehors de mon domaine d'expertise donc euh, apprendre avec des pincettes mm -hmm. euh, d'après ce que je sais il y a pas de, de virus qui soit capable d'anéantir l'humanité euh, qui ouais. existe en ce moment mmh. soit parce qu'il y a des virus qui sont trop mortels auquel cas bah, il se, ils se propage pas assez vite euh, au final il y a des virus qui sont extrêmement euh, les, les virus les plus euh, euh, successful euh, ça va être le, le rhume par exemple mmh. parce que le rhume il tue personne et il se répand de partout il va continuer à exister toujours euh, donc il faut arriver à trouver le vraiment le le, le sweet spot ah, oui. entre un virus qui... Donc, si, par exemple, un virus qui, <laughs> dont les, les symptômes se déclenchent bien après ouais. la contamination mm. euh, et qui tue les gens bien plus tard, ce serait quelque chose de, de terrible. Mais, oui, quelque part, en fait, il faut... Quelque part, il, il faut il, parce qu'en en fait, le, le virus, il n'a pas intérêt à ce que tu meurs. Parce que sinon, euh, s'il si, 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 n'a pas réussi à se propager, euh, euh, il meurt aussi. Donc, en fait, limite, euh, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il qu faudrait avoir un virus... Euh, artificielle, forcément, puisque euh, faudrait lui euh, inculquer des capacités qui ne sont pas forcément euh, à, son, euh, à son avantage. Exemple, si, si, si toute l'humanité meurt, lui, il est pas est content ça. À la C'est-à-dire que l'évolution mmh. n'a pas. Ouais, pas juste par l'évolution naturelle, il va pas y avoir de, de raison pour lesquelles un virus anéantirait toute une espèce euh, rapidement. Mmh. Ça, le virus arrêterait d'exister après. Donc, il... Mais par contre, dès qu'on qu commence à avoir cette connaissance, euh, à être capable de synthétiser des virus pour une fonction spécifique, là, d'un seul coup, on ouvre, euh, on ouvre une boîte de Pandore. <laughs> ouais, non, je comprends. Donc, en fait, ça, ça c'est des trucs que, que j'avais pas vraiment en tête. C'est-à-dire qu'avant l'intelligence générale, en fait, tu peux utiliser euh, euh, une intelligence artificielle assez puissante, euh, comme euh, en arme de destruction massive, et là, on a cité 2 Donc, il y avait euh, typiquement bah, le, 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 le hacking. Euh, et les imprimantes à virus, mais après, euh, je pense qu'on peut en, en imaginer d'autres. C'est ça. Hum. Et, et du coup, l'autre euh, raison pour laquelle euh, on pourrait ne pas avoir une super intelligence, donc là, on est dans un scénario de, de slow take-off. Ah, je viens de me souvenir. Donc, en fait, là, on est en train de créer principalement des LLM, donc des IA génératives. Et pour le moment, elles ne sont pas vraiment agentiques. C'est-à-dire que quand on regarde ChatGPT, que si on utilise juste ChatGPT, c'est un peu comme un, comme un train de pensée rapide euh, qui disparaît une fois qu'il a été euh, utilisé. C'est-à-dire qu'on pose une question, hop, il y a, y a, donc y a ce, cet énorme, cet immense réseau de neurones artificiels qui génère une réponse et ensuite ça s'arrête. Euh, si on continuait juste avec ces systèmes, on pourrait probablement arriver à, à quelque chose qui est plus intelligent que tout humain dans tous les domaines possibles, mais qui soit encore assez euh, c'est-à-dire que ce ne serait pas immédiatement un risque existentiel pour l'humanité parce que ce serait comme s'il existait un train de pensée extrêmement intelligent pendant un bref instant. Mmh. Pas ce, ce temps ne serait pas suffisamment long pour euh, présenter un vrai danger. Imagine un, un Einstein sous stéroïde qui peut, qui peut réfléchir à 50 fois plus vite que, que, que sa vitesse normale, mais qui n'existe que pendant... <laughs> Pendant ouais. 10 secondes ou une minute. Okay. Tu le fais apparaître 5 ouais. secondes et il te donne la réponse donc, et il s'en va. Quoi. Voilà, donc théoriquement, ce serait possible. Sauf mm -hmm. qu'en pratique, ce n'est pas ce qui va se passer, parce que là, tout le monde est en train d'essayer de créer des agents. Euh, donc, c'est toujours possible que ces agents ne fonctionnent pas. Euh, ça ne paraît pas très probable. Moi, je pense qu'ils vont fonctionner. Mais bon, pour le moment, l'approche que les gens ont, c'est de créer une architecture cognitive autour des LLM. Donc, les LLM, c'est un peu comme le moteur euh, qui, qui génère un train de penser. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on en fait communiquer plusieurs les unes avec les autres. Et c'est un peu équivalent à avoir différents trains de pensée qui, qui discutent ensemble et qui essaient de trouver une solution à des problèmes, euh, qui, qui écrivent quelque chose dans une mémoire pour se souvenir de ce qu'ils étaient en train de faire, etc. Il y, y a beaucoup de travail qui est en train d'être fait pour créer ces architectures mmh. cognitives. Et c'est possible que ça, ça nous emmène direct sur des intelligences artificielles générales. Ce sera différent du cerveau humain, dans le sens où, dans le cerveau humain, c'est vraiment très bien... Donc en gros, c'est des boucles. Tout, tout ce qu'on est en train de faire avec ces architectures cognitives, c'est des, des boucles de pensée. Dans le cerveau humain, ça se passe, mais c'est complètement intégré dans le réseau de neurones. C'est-à-dire que nous, on a juste cette espèce d'immense réseau de neurones avec des boucles dans tous les sens. Là, ce qu'on est en train de faire avec les LLM, c'est on a un réseau de neurones qui va juste dans un sens, qui génère un train de pensée. Et ensuite, on crée des boucles externes. Donc en... En programmant avec des instructions, on dit ok, ce train de pensée là, je l'envoie à un autre système euh, qui va l'analyser, qui va produire un autre train de pensée. Donc ça laisse peu cette espèce de, de boucle qui sort, du système de, de, qui sort du réseau de neurones et qui re rentre dedans. A priori, ce sera c'est moins efficace que le cerveau humain qui est complètement intégré. Euh, et si on continue sur cette lancée, probablement ça va marcher, peut-être pas. C'est assez mmh. difficile à dire. Euh, mais c'est possible qu'il y ait un scénario où on n'ait pas de système suffisamment agentique pour être vraiment, euh, être vraiment dangereux. Mmh. Bon, bon, ça me paraît pas très probable et je pense qu'on ne devrait vraiment, vraiment pas parier là-dessus. Mais ouais. euh, c'est possible. Et au niveau de, de l'association, ouais, pa, parle un peu de, de l'association parce que là, on a parlé de... Enfin, je trouve qu'on voilà, on ouais. a, on, on a introduit aux gens euh, euh, typiquement... C'est quoi quelques idées de dangers qu'on mmh. pouvait avoir. Je pense que déjà c'est pas très connu du grand public, mais voilà. Parle un peu de l'association. Qu'est-ce que vous voulez faire Ok. Euh, revenons en arrière un petit peu. Euh, donc, pour parler de l'association, je vais commencer par parler de moi bon, vite fait. Ouais, Réduire. <laughs> ouais, 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 ouais. Donc moi j'ai bossé pendant 12 ans en bon, ce qu'on appelle intelligence artificielle maintenant. Donc j'avais commencé en, en machine learning. Euh, un peu plus classique, et ensuite je me suis euh, spécialisé en deep learning euh, autour de 2014. T'as fait quoi comme formation T'as as fait Central Lyon, c'est ça J'ai fait Central Lyon, et ensuite j'ai fait des, un master de maths à Cambridge. Okay. Euh, en gros, ouais, moi j'étais bon en maths, j'adorais les maths, mais j'aimais pas grand chose d'autre. <laughs> du coup, euh, voilà, je m'étais spécialisé en maths, et après j'étais passionné par l'intelligence artificielle, euh, donc j'avais envie de me diriger par là. J'ai commencé à travailler dans un, dans un hedge fund, euh, et je faisais mes projet de, de machine learning et de deep learning sur le côté et ensuite à partir de 2014 je me suis vraiment spécialisé en deep learning euh, donc j'ai fait ça pendant environ 12 ans et, euh, et euh, j'ai commencé j'étais pas vraiment inquiet ou euh, je connaissais les arguments je connaissais super intelligence quand c'est sorti et même avant ça j'étais assez familier avec les arguments d'explosion d'intelligence mais ça me paraissait être quelque chose qui va se passer dans 100 ans dans le futur. Du coup, je ne trouvais pas ça spécialement inquiétant. Ce n'est pas le genre de problème on, qui, qui nous tient à la nuit. On pense que ça va se passer dans si longtemps que ça. Euh, en 2022, euh, j'étais euh, head of data science pour un, dans une boîte américaine qui s'appelle Two Sigma. Euh, et je, je bossais sur des, des modèles de langage, euh, très, des systèmes très pragmatiques hein, pour arriver à comprendre des documents papier euh, pour euh, un peu comme un humain et euh, j'ai démissionné parce que je commençais à voir la, la rapidité du progrès je n'étais pas sûr de de ce que je faisais si c'était la bonne chose ou pas donc j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour réfléchir à tout ça euh, j'ai bossé un peu sur mes propres projets et ensuite il y a GPT 4 qui est sorti en 2023 et c'est là pour moi ça a été vraiment le euh, le wake up call ça a été le moment où je me suis dit ah en fait <laughs> Ça progresse vraiment très très vite. J'ai commencé à réfléchir à quand est-ce qu'on risque d'avoir une, une intelligence artificielle générale. Donc il y avait beaucoup de flou. C'était un, un moment assez euh, assez euh, terrifiant, je pense, pour la plupart des gens qui étaient dans ce milieu quand GPT-4 est sorti, parce qu'on avait beaucoup d'incertitudes à ce moment-là. C'était possible que les architectures cognitives nous emmènent à une, une intelligence générale, peut-être quelques mois après la sortie de GPT-4 à moins d'être extrêmement euh, pointu dans le sujet et de savoir que ça n'allait pas marcher. Je sais qu'au moment où AutoGPT est sorti, je me suis dit, mince, si ça se trouve, là, dans trois mois, on a déjà quelque chose qui fonctionne et, qui... et ce sera la fin. Euh, donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais me, je vais me convertir en sécurité de l'IA. J'ai passé six mois à rechercher le sujet, à essayer de comprendre un peu les, les arguments des gens qui disent qu'il y a un gros risque, les arguments des gens qui disent qu'il n'y a pas de risque. Je me suis rendu compte que du côté des gens qui disent qu'il n'y a pas de risque, c'est très très pauvre. Il n'y ouais, a, ouais. a pas grand chose en fait. Ah Il ouais. ouais, y a principalement euh, l'argument c'est de la science-fiction donc ça ne va pas se passer, ce qui n'est mmh. pas un vrai argument. Ils font des blagues aussi. Euh, beaucoup de blagues, beaucoup d'attaques mmh. à Dominem, euh, dire que ces que opposants sont, font partie d'une secte, ce genre de choses. Après. L'argument principal qu'on pourrait considérer de, comme sérieux, c'est de dire en fait, les modèles actuels, ils ne vont pas nous emmener jusqu'à une euh, intelligence artificielle générale. Ça va s'arrêter bientôt. Par contre, il n'y a pas du tout d'approche probabilistique. C'est-à-dire que si on regarde ce que dit euh, Yann Lequin, de son point de vue, il est 100% convaincu. Oh, enfin, il ne le dit pas comme ça, hein, mais en gros, euh, si on analyse un petit peu ce qu'il dit... On euh, a Ravel, qu dit les... Yann Lequin, je sais. Que ah oui, le pardon. Et donc, Yann Lequin, c'est le, le head... Euh, le, Chief Scientist pour Facebook, euh, Meta. Moi, je préfère dire Facebook parce que ça rappelle vraiment aux gens ce que c'est <laughs> cette boîte. <laughs> euh, et c'est en gros l'évangéliste de, de l'IA en ce moment. C'est-à-dire que c'est plus vraiment un chercheur hein, d'après les gens que je connais là-bas, tous les gens à qui je parle. Euh, son boulot, c'est de faire du lobbying et de, et de, de convaincre tout le monde qu'il n'y a pas de risque avec l'IA et qu'il faut foncer. Euh, donc, c'est la personne qui est la plus influente au monde, probablement en IA en ce moment, en tout cas en France, c'est de loin la personne la plus influente. Euh, et du coup, lui, bon, c'est assez difficile d'analyser ses arguments parce qu'il a tendance à dire vraiment un peu n'importe quoi, un peu dans, dans le mode où on balance des, on balance des infos <laughs> sans. Comment dire bon, Certaines choses qu'il dit sont des mensonges, euh, d'autres sont plutôt des, des approches très techniques qui vont pas mal. Euh, créer de la confusion chez les gens. Ah, c'est de la rhétorique, c'est ça. C'est principalement de, de la rhétorique, mais bon, si on prend son argument technique, ça va être euh, les, euh, les LLM ne vont pas continuer à fonctionner très longtemps. C'est pas la bonne piste, et du coup, euh, on va arriver à un plateau bien avant l'intelligence artificielle générale. Le problème, je veux dire, c'est possible. Je dirais que, de mon point de vue, c'est pas très probable. Je dirais peut-être 20% de chance que ça se passe comme ça. Le problème, c'est qu'il a pas du tout une approche probabilistique là-dessus. De son point de vue, c'est 100% de chance que ça va se passer comme ça, et il ne réfléchit pas vraiment à ce qui se passe s'il a tort. Il est très inquiétant, sachant qu'il a quand même un sacré historique de prédictions euh, <laughs> fausses. <laughs> okay. euh, ouais, c'est assez rigolo. Il y a plein de vidéos sur YouTube où il, il annonce euh, telle capacité ne va ne va pas arriver, et ensuite, genre une semaine plus tard, la capacité arrive. Euh, et ouais, voilà. Du coup, le problème, c'est ça. Donc, je dirais que c'est l'argument la, le plus sérieux des gens qui disent qu'il n'y a pas de risque, c'est de dire en fait ces modèles vont arrêter de s'améliorer très bientôt. Ça va. C'est complètement à l'encontre des approches empiriques. Donc, on regarde ce qui se passe. On voit que les modèles continuent à s'améliorer de façon assez pré prévisible. Donc, il y a un, euh, je suis en train de m'éloigner sur une tangente un petit peu trop longue, mais je continue. Euh, <laughs> donc, il y a un, un papier de recherche qui est sorti en 2020 qui s'appelle Scaling Laws, qui en gros qui prédit euh, le, la, 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 plus ou moins les capacités de ces modèles en fonction de la taille du, du réseau de neurones, de, des quantités de données, etc. Et euh, depuis depuis 2020, c'est confirmé. À chaque fois qu'il y a un nouveau modèle plus gros qui sort, on voit qu'on est toujours sur la même courbe. Et donc, on peut, en suivant ce, ce, ce modèle, on, on peut penser qu'on arrivera à une intelligence humaine d'ici trois ans, quelque chose comme ça, deux trois ans. Euh, avec beaucoup d'inconnus. Est-ce qu'on Est-ce qu'on va continuer à soutenir les investissements pour arriver à créer des modèles toujours plus gros, etc. Donc voilà, l'approche empirique nous dit c'est plutôt ça va arriver bientôt. Il y a des approches conceptuelles, un peu comme celle de Yann Lequin, qui dirait non, en fait, ces modèles vont, vont arrêter de s'améliorer bientôt. Euh, mais de mon point de vue, il faut vraiment qu'on commence à se préparer. Donc voilà, ça c'était 2023, j'ai passé six mois à rechercher ça, je suis devenu encore plus inquiet, et j'ai réfléchi à comment est-ce que je peux contribuer, qu'est-ce que je peux faire pour, pour faire en sorte que les choses se passent bien. Euh, J'ai rencontré Holly Almond qui a fondé Pose AI aux États-Unis. Donc, pause AI, c'est un c'est un mouvement euh, c'est un mouvement euh, d'activisme et d'advocacy de, de sensibilisation du grand public qui a été fondé aux Pays-Bas par Joop Manderstma. Euh, et l'idée, c'est on demande un moratoire pour mettre en pause la, le développement des modèles d'intelligence artificielle les plus dangereux jusqu'à ce qu'on puisse prouver, jusqu'à ce qu'on ait des garanties qu'on puisse le faire de façon safe. Mmh. En fait, c'est un, une demande qui est très très raisonnable. C'est-à-dire que dans n'importe quelle autre industrie, ce serait le standard. C'est-à-dire qu'en aviation, on ne va pas créer un avion qui a 50% de chances de s'écraser en disant « YOLO, on le fait et on voit ce qui se passe euh, ». Non, il y, y a des standards très stricts. Je, pour une raison ou une autre, en intelligence artificielle, on n'est pas en train de faire ça. C'est-à-dire qu'on a la communauté de, donc euh, tout, tout le, le, le champ de recherche de sécurité de l'intelligence artificielle qui est en train de dire Attention, il y a des risques catastrophiques à l'horizon pour, pour l'entièreté de l'espèce humaine, mais on les ignore et on se dit en fait, on va continuer à développer ces systèmes euh, et voilà, on va voir ce qui se passe. Euh, C'est une idée qui est explicitement endorsée par euh, certains des, des PDG des, des Labodia. Par exemple, le, le PDG de Anthropic Dario Amodei, pense qu'il y a 25% de chances d'extinction humaine d'ici 4 ans. <laughs> Il le dit euh, explicitement, mais de son point de vue, ça veut dire euh, le revers de la médaille c'est 75% de chance d'utopie, de son point de vue. Euh, parce que, oui, si on arrive à créer ces systèmes et qu'on et qu les maîtrise, dans ce cas, on a quelque chose de plus intelligent nous qui peut résoudre tous, tous nos problèmes. Enfin, c'est le, le raisonnement. Et du coup, de son point de vue, il est prêt à lancer le dé parce qu'il pense que c'est un, bon, euh, un bon deal quoi. 75% mmh. de chance d'utopie. <laughs> Donc, c'est. Faut comprendre que c'est des gens qui n'ont pas du tout la même approche du risque que ouais. le commun des mortels. Donc voilà, pause AI, pause AI on, demande un, on demande de faire les choses calmement, donc de, de prendre une pause, de réfléchir, de résoudre tous les, tous les problèmes sous-jacents. Euh, donc j'ai rencontré la fondatrice de ce mouvement aux États-Unis, elle m'a convaincu que c'était probablement. Une des façons d'avoir le plus d'impact. Donc c'est un, une approche qui n'a pas été euh, qui a pas été étudiée avant. Personne n'a essayé de faire de l'activisme dans le domaine de l'IA. C'est un mouvement qui a un gros potentiel de croissance. Donc je me suis impliqué là-dedans à partir d'octobre l'année dernière. Euh, je suis devenu CTO de la branche euh, de, 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 de PoseAI Global euh, et j'ai décidé de fonder la branche française. Ça devait être en, en mai, je crois, ou en avril ou mai. Parce que j'ai découvert le. Donc, moi, je suis revenu en France l'année dernière et je n'étais pas trop au courant de ce qui se passait en France. Et j'ai découvert le paysage français en IA qui est assez catastrophique. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où les décideurs ont été complètement capturés par des lobbies euh, qui disent qu'il n'y a aucun risque, euh, qui n'ont pas vraiment de connaissances en IA, qui pensent que c'est des systèmes, que c'est des logiciels normaux qui sont programmés, qui suivent des instructions, qui ne comprennent pas qu'en fait, non, ce sont des. On peut voir ça comme des systèmes qui sont cultivés, genre des, des cerveaux géants qui sont cultivés, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne comprend pas. Euh, donc j'ai vu ça et je me suis dit en fait, bon, il va y avoir le sommet de l'IA en France en février 2025. Il faut vraiment faire changer le, le discours en France. Euh, donc je me suis dit je vais créer Posia la branche française et on va essayer de, de, de faire quelque chose. Donc voilà le, un petit peu l'idée. Et là, depuis, euh, donc on, est, on est une vingtaine maintenant. On, a, on est en train en ce moment d'écrire une réponse à un rapport influent en France, le rapport de la commission de l'IA. On va présenter ça pendant une conférence de presse en septembre. Euh, on va essayer d'obtenir la signature d'experts. Euh, on a déjà pas mal d'experts qui ont, qui ont accepté de signer. Et voilà, c'est un, un peu ça le. Ouais, euh, c'est intéressant. En fait, ce que, ce que je trouve. Euh... Ce que je trouve fort, euh, c'est que euh, bah finalement, en fait, fin, quand nous, on a commencé à, à s'intéresser au sujet, euh, et quand je dis nous, euh, en fait, on s'en fout de nous, mais disons, euh, euh, t'as as quelques jalons, du type euh, le livre Super intelligence de Nick Bostrom, t'as as un, 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 un autre jalon, euh, c'est le livre qui s'appelle The Precipice de Toby Ord, qui est en gros un livre important dans les gens qui aiment bien l'altruisme efficace. Et dans ce livre, euh, c'est vrai qu'il avait fait le choix euh, de mettre le risque d'extinction de l'espèce humaine euh, à cause de l'IA. Il lui avait assigné la plus grande probabilité. Donc, de, de devant euh, euh, les pandémies, devant les guerres nucléaires, devant euh, l'extinction de, de la biodiversité, c'était la plus grande probabilité. Et, euh, et toi, voilà, tu t'expliquais tu ce que tu faisais en parallèle. Mais en fait, après ça, après ces jalons-là que moi j'ai en tête, euh, quelque part, tu as eu ChatGPT. Et, euh, et si tu veux, déjà, avant ChatGPT, les probabilités étaient déjà pas euh, en notre faveur. Euh, ça, ça faisait déjà un peu flipper. Euh, mais quand tu as eu ChatGPT, c'était euh, mm. vraiment un changement de paradigme. C'était limite comme si on disait, bah, regardez, c'est en train d'arriver. Ouais, et c'est vraiment, euh, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont arrivé à prédire ça avant un chat GPT. C'est quand même assez incroyable. Euh, même si je pense qu'à ce moment-là, ils étaient quand même sur des timelines plus longues. Oui. Euh, donc on pensait plutôt à du 10-20 ans. Ouais, mais que... ça fait court quand même. Mais oui, c'est long. Oui, mais ça pourrait être... Je pense qu'à ouais, l'époque, j'aurais eu du mal à dire que c'était un problème plus urgent que le réchauffement climatique, par exemple. Mm -hmm. Euh, dans le sens où c'était tout à fait possible que le réchauffement climatique commence à créer des catastrophes qui font que bah, la recherche en intelligence artificielle s'arrête. donc Ça dé désamorcerait ce problème d'une façon ou d'une autre. Mmh. Euh, par contre, maintenant, oui, de mon point de vue, c'est de loin le problème le plus urgent parce qu'on parle vraiment de, de timeline de, <laughs> de 2 à 4 ans et pas de, de 20 à 40 ans. Et ouais, alors justement, est-ce que euh, tu peux parler Parce que. Fin... Si, si on hiérarchise un peu les différentes actions que, que, vous, que vous pouvez prendre, euh, là, tu as parlé euh, d'un rapport euh, du gouvernement. Peut-être tu peux redire le nom, tu mmh. peux en parler et tu peux dire ce que vous comptez faire avec ce rapport. Ouais. Alors, en France, euh, typiquement, donc, notre stratégie, c'est vraiment d'arriver à informer les décideurs, de, de leur donner des, des vraies informations. Enfin, des vraies informations, des informations qui ne sont pas euh, biaisées par, euh, par des lobbies. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe en France En France, il y a Yann Lequin, la personne dont j'ai parlé avant, qui est vraiment euh, euh, vénéré. C'est un peu un héros national. Il a Méta, en Chevalier Facebook. de la, la Légion d'honneur. Oui, le mm. le chef, chief scientist de chez Facebook. Euh, cette personne est extrêmement influente. Donc, il peut parler. Il a directement accès à Macron. Il est dans la, dans la commission ah, de l'IA. Il est français, en fait. Ce il de est, est français. Est... Oui, oui, pardon. J'aurais dû commencer non, par ça. Je... Oui. Donc, il est français. Et... Euh, il passe dans beaucoup de médias. Il est toujours présenté dans les médias comme euh, un chercheur, un académicien, <laughs> ce qui ce que je trouve assez fantastique. Euh, et donc il a il a accès à tous les politiques et il pousse le l'agenda de, de Facebook, donc de Meta, qui est accélérationniste. En gros, il faut continuer. En, donc il n'y a, a pas de il a pas vraiment de risque. Bon, a, en gros, il va il va dire oui, il y a des risques de biais, de discrimination, ce genre de, de oui. choses, mais en gros, il dénie complètement tous les risques les plus catastrophiques. Il fait partie de la commission de l'IA euh, qui a été mise en charge de décider de la stratégie de la France en matière d'intelligence artificielle. Euh, cette commission a produit un rapport en mars 2023. 2024, pardon. Donc cette année. Euh, et ce rapport est extrêmement... Euh, comment dire en restant poli <laughs> euh, ce rapport est extrêmement accélérationniste. Non seulement il dénie l'existence des risques, mais il les ridiculise en plus. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas du tout un rapport scientifique. Hein. C'est juste, quand le lit, c'est assez choquant. C'est-à-dire qu'on va juste tourner en ridicule les gens qui pensent qu'il y a des risques catastrophiques existentiels par l'IA, sans donner aucune justification. Euh, en plus, la, la qualité argumentative est vraiment, <laughs> est vraiment, vraiment médiocre. Il est, il est exemple... dispo, hein, le rapport. On peut le ah, lire. Oui, il est Mais... dispo, okay. tout le monde peut le lire. On peut regarder, par exemple, la partie faut-il. Il y a une partie, c'est donc... bon, un rapport de 100, 137 pages, je crois. Il y a une partie qui s'appelle faut-il avoir peur de l'IA, qui fait deux pages, une page et demie. Euh, le premier mot, c'est non. Euh, et ensuite, le reste... On peut le lire, mais c'est en gros du décor hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'argument quoi que ce soit. Donc il passe une page à développer un, un faux argument euh, qui est de dire que quand les gens ont inventé l'électricité au début du siècle, euh, le peuple en avait peur. Donc ça, c'est étendu sur une demi-page ou une page, je crois. Ensuite, il parle ah là là, de. Ça me met mal à l'aise. <laughs> oui, oui c'est le, 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 le niveau argumentatif de bon. ce rapport. Euh, et ensuite, il y a quelques paragraphes sur différents types de risques mais qui ne sont pas catastrophiques. Et à la fin, il y a une phrase, je crois, qui dit euh, euh, Il faut quand même rester vigilant, euh, mmh. quelque chose comme ça. Euh, donc voilà, on a, on a vraiment une, une, une rhétorique de la, de la moquerie, en fait, tout au long de ce rapport. Euh, y a même, on peut regarder, on peut analyser le champ lexical, c'est intéressant. Hein, C'est-à-dire qu'ils arrivent vraiment à jouer avec les mots pour, sans que ce soit vraiment une attaque euh, directe. Euh, on va quand même utiliser un champ lexical qui, qui se moque de, des gens qui disent qu'il y a des risques. Euh... Tu, tu peux redire, juste pour qu'on arrive à le trouver facilement, donc le nom du rapport Tu l'as en tête ouais. euh... donc Ça s'appelle IA, notre ambition pour la France. Le, le rapport, si on tape rapport de la commission de l'IA, okay. on va le trouver. Et là, tu as dit il euh, y a deux pages sur Faut-il avoir peur de l'IA Je, je en en recommande aux gens de, de lire ça parce que. Ouais. Ah, bon, pages, non, je pense moins. que ça peut convaincre quand même des gens qui ne sont pas au courant de ce qui se passe en IA, malheureusement, et qui ne sont pas spécialement bons en rhétorique ou en argumentation. Mm. Ils peuvent lire ça et se dire, en fait, il n'y a pas de risque. En fait, au final, c'est quand même un, un argumentaire qui est utilisé un peu de partout dans les médias. C'est-à-dire qu'on on, n'explique ne, on pas pourquoi il n'y a pas de risque, mais à la place, on se moque juste des gens qui disent qu'il y a des mm. risques mm. en disant, ah, quand le café a été inventé, les gens <laughs> pensaient que c'était dangereux. Euh, toute technologie, à chaque fois, euh, est considérée comme dangereuse. Et ça demande un petit peu de ça demande un petit peu de, de présence d'esprit d'arriver à se dire Ah, en fait, il n'y a rien derrière ça. Ce n'est pas, pas un vrai argument. C'est juste qu'on crée une classe de référence euh, arbitraire et ensuite on regarde les autres éléments dans cette classe de référence. Donc on se dit Ok, IA, c'est une techno nouvelle technologie. Donc je prends ça comme classe de référence. Je regarde dans le passé, quand il y a eu une nouvelle technologie, Ah, il ne s'est rien passé, l'humanité a continué à exister. Ouais. <laughs> ouais. Le truc, c'est que c'est le, le, le même. Euh... Enfin, il y, 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 y a deux raisons pour lesquelles c'est un argument stupide. C est, c est de, de, de un, il euh, n'y a pas de raison pour que cette fois-ci ça soit particulier. Et de deux, euh, je veux dire, on peut tout à fait euh, émettre l'hypothèse qu'on a pris des risques inconsidérés par le passé. L'exemple qu qui me vient, euh, de quoi Et qu'on s'en est sorti. Et qu'on s'en est sorti. L'exemple qui me qui, qui me vient à l'esprit, c'est que je crois que je sais plus quand c'était la, la, la première. Euh, bombe à fission ou à fusion, je ne me souviens plus laquelle c'était, mais il euh, y avait des scientifiques qui pensaient qu'on allait embraser toute l'atmosphère. Euh, il se trouve que euh, ça n'est pas arrivé. Euh, Est-ce que c'était très intelligent de prendre de risques Je ne sais pas. En tout cas, ça se débat, quoi. S'il ouais. <laughs> y a un risque d'extinction. Donc, euh, on va dire qu'il ouais, y, y, y a deux axes sur lesquels c'est n'est pas très intéressant. Ouais, c'est sûr. il y a ce qu'on appelle aussi le. le... Survivorship bias, donc le, le biais Exactement. du, du, du survivant. Ça que je cherchais, ouais. Donc là, on s'en est sorti. Il y a eu pas mal de moments dans l'histoire de l'humanité, bon, récente parce que c'est que récemment qu'on a des pouvoirs immenses, mmh. euh, où on a failli, on n'a vraiment pas failli s'en sortir. Donc quand il y a, il y a eu le. Euh, donc il y a cette personne Petrov dans un sous-marin russe oui. qui a failli envoyer une bombe sur les États-Unis, mais qui a décidé de refuser. Donc ce qui s'est passé, il y a eu une erreur. Il a reçu l'ordre dans son sous-marin d'envoyer un missile nucléaire sur les États-Unis, mais il a décidé de ne pas le faire. Mmh. S'il avait décidé de le faire, on serait probablement pas là pour en discuter. Mmh. Euh, et donc oui, il y, y a eu des moments, euh, des moments où on n'est on pas passé loin. Ouais. Donc, euh, ouais. et euh... Et par contre, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est moins évident, euh, la, la façon dont tu le racontes, en fait, c'est vrai que tu dis il euh, y a un rapport de, de 130 pages, et finalement il n'y a que deux pages sur lesquelles ils adressent les risques, et euh, c'est un peu un, un, un non adressage dans le sens où ils les adressent pas. Euh, c'est quoi euh, Qu'est-ce que vous faites vous vis-à-vis -vis de ce rapport Enfin, euh, là dit comme ça, il mmh. y a deux pages. Il n'y ouais, a, a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y, y a plein ouais, d'autres trucs qui sont assez aberrants. Donc ça, c'est vraiment pour. Euh c'est la partie qui ridiculise, qui ridiculise les, les risques catastrophiques aussi euh, par exemple dans cette partie ils confondent deux donc euh, qu'est-ce qu'ils font, font ils ils citent la, la lettre donc il y a eu, y a eu plusieurs euh, moments où il y a des lettres ouvertes qui ont été signées par euh, une grosse partie des, des meilleurs experts en intelligence artificielle pour dire qu'il y avait des risques existentiels pour l'humanité donc il y a eu euh, une lettre du euh, du euh, future of life institute qui s'appelait Pause Giant AI Experiments, qui est sorti peu après GPT 4, qui demandait justement une pause. Ça n'a ça rien à voir avec Pause AI, mais il demandait de mettre en pause les, les, euh, le développement des modèles d'IA. Donc là, on a tous les plus gros noms en IA qui l'ont signé. Euh, et ensuite, il y a eu un, un statement, un, une déclaration par le Centre pour la sécurité de l'IA. Euh, qui qui dit en gros l'intelligence le, le, artificielle présente un risque existentiel pour l'humanité au même titre que les guerres nucléaires ou les pandémies. Qui a, cette, cette, ce statement a été signé par encore tous les plus gros noms dans l'IA, bon pas Yann Lequin mais <laughs> les deux autres les deux autres prix Turing pour les pour l'invention le, le, des réseaux de neurones euh, profonds. Euh, et dans, dans, donc dans le rapport ils confondent non seulement ces deux lettres donc ils, ils parlent de ils font un amalgame entre les deux et ils disent que ça a été signé que par 60 personnes alors que ça a été signé par, je crois, 33 000. Euh, donc, c'est le genre de, de, de qualité qu'on a dans ce rapport. Donc, ça, ils n'ont même pas pris le temps d'aller chercher euh, sur Internet ce que c'était pour arriver à bien écrire dans leur rapport. Bon, ça, c'est une partie. Après, on, on peut aussi regarder la partie sur les, la partie sur les pertes d'emploi. Donc, il y a, je crois, 4 ou 5 pages dans le rapport qui se, qui se penchent sur est-ce qu'il y a vraiment un risque pour. Euh, les, pour les pertes d'emploi, pour la, la sécurité de l'emploi, pour les gens. Et ça, c'est encore une partie qui est fantastique parce qu'ils essayent deux approches pour essayer de quantifier le, le risque. Quand on lit les deux approches, on se rend compte qu'elles euh, sont inconclusives. Donc la, la première approche... Euh, ils il se basent sur le passé donc ce qui s'est passé avant la révolution de ChatGPT et tout des autres modèles d'IA ah je sais ce que tu vas tu vas me dire ça va m'énerver mais vas-y et, euh, <laughs> et en gros ils disent ils disent en fait on peut pas vraiment conclure deux phrases après avoir écrit on ne peut pas vraiment avoir de conclusion mm. ils passent à la deuxième approche et ils introduisent en disant euh, comme la première comme la première approche cette approche montre aussi un effet positif sur l'emploi mm. c'est-à-dire que c'est-à-dire que là on a tout on a genre deux pages qui ont été écrites qui qui n'ont qui, qui pas de conclusion, qui disent en gros, ben en fait, on ne sait pas, ces études ne sont pas conclusives. Et ensuite, juste après, on a une phrase qui dit qu'on a montré qu'il y avait un, positif, un effet positif sur l'emploi. Oui. Ensuite, on regarde la deuxième approche. Là, il se base sur deux, euh, deux études qui ont été faites. Il y en a une qui dit que euh, 5% des emplois vont être remplacés euh, dici, euh, à, à, grâce au modèle actuel, hein, sans, sans essayer de se projeter sur le futur ou les modèles qui vont exister après et une autre qui se dit que 30% des emplois euh, du monde, hein, genre de <laughs> tous les emplois qui existent, vont être remplacés. Donc ils citent ces deux trucs, et ensuite ils, ils se focalisent que sur la première, c'est-à-dire ils oublient complètement qu'ils ont cité la deuxième étude qui disait 30%. Ils se focalisent sur la première, et ils disent euh, ils utilisent ce chiffre 5% remplacé, mais 14% amélioré, et ils disent donc effet positif sur l'emploi. Donc <laughs> j'ai du mal à qualifier à quel point c'est... C'est torturer les données pour euh, pour arriver à juste soutenir et... des conclusions qui ont été définies en avance. <laughs> ouais. Et, et mais justement avant de à, avant de parler de l'emploi, ça ça peut être intéressant. Enfin euh, c'est euh, c'est quoi votre but C'est de produire un document euh, qui va débunker ça. C'est c'est quoi l'output ouais. c'est quoi le, Oui du coup euh, notre but c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on va pas nous on, on est juste euh, on va juste mettre en lumière tous les problèmes dans ce rapport. Euh, et on va aussi mm, se pencher sur les conflits d'intérêts dans la commission. Donc mmh. Cette commission elle a aussi des conflits d'intérêts immenses. En fait, ce n'est pas vraiment surprenant qu'il s'est produit ce rapport, parce que euh, parmi, les, parmi les 15 membres de la commission, il y a Yann Lequin, donc, qui représente les intérêts de Facebook. Euh, il y a Arthur Mensch, qui est le PDG de Mistral, euh, le, 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 un peu le, la boîte DIA qui est le chouchou de la France en ce moment. Euh, et il y a Cédric O qui est un ancien secrétaire d'état chargé au numérique qui est devenu maintenant lobbyiste pour Mistral et qui a essayé de saboter le, le projet de régulation de l'Union Européenne euh, encore quelque chose dont on peut parler il euh, n'y a que des gens dans cette commission qui ont exprimé bon, les gens qui ont exprimé une opinion publique sur les risques de l'IA sont tous dans le déni des risques catastrophiques okay, sans vraiment avoir avancé d'arguments euh, euh, Ouais, juste plutôt dans le déni en mode euh, non, c'est n'importe quoi. Il euh, n'y a personne qui travaille en sécurité de l'IA. Ça aussi, c'est aberrant. C'est-à-dire qu'on a tout un, un domaine, un champ de recherche qui s'appelle la sécurité de l'IA, qui existe depuis une quinzaine d'années, <laughs> qui, qui est quand même bien développé maintenant. Et euh, aucune personne en sécurité de l'IA n'a été consultée pour créer ce rapport. Donc non seulement ils ne sont pas dans la commission, mais en plus, euh, tous les gens que je connais en France euh, qui travaillent là-dedans, euh, personne n'a été consulté. Euh, donc, en fait, ils se sont un peu enfermés dans une, euh, dans une chambre à écho <laughs> mm. euh, et, et, et ils ont produit ce rapport. Et, euh, et en fait, ce rapport, on, on voit très bien que ça va complètement dans le sens de Facebook et de Mistral. Euh, donc, et, on va faire. Et ouais, au niveau de l'output, vous, vous voulez juste plutôt communiquer dans les médias, dans les podcasts, ou vous voulez produire, euh, je sais pas, un document ou c est, c est Donc, un on euh, produit un document. Oui. Donc euh, voilà, on, a, on va avoir un document qui va sortir en septembre, mmh. euh, qui sera disponible. On va créer un site web dédié pour, pour ce document. Euh, pour, en termes de promotion, on va faire une conférence de presse à Paris le, le 10 septembre, euh, où on va, voilà, on, va, on va présenter ce qu'on a trouvé, on va expliquer tous les, les problèmes avec, euh, avec l'approche de la commission. Et on, va, on a quelques revendications. Euh, donc ce qu'on va demander, c'est le. Bon, idéalement, euh, l'élimination des conflits d'intérêts, on sait que ce n'est pas vraiment réaliste de demander à Yann Lequin de partir de la commission parce que ça reste quand même un expert en IA. Donc, c je dirais que d'une certaine façon, c'est normal qu'il soit dedans. Mais on, veut, on voudrait qu'on rajoute des experts en sécurité de l'IA dans la commission pour présenter un, au moins un point de vue euh, plus, euh, euh, plus neutre. Euh, on demande à ce qu'ils rajoutent un addendum qui parle spécifiquement des risques catastrophiques et qui utilise une méthode scientifique, qui n'utilise pas une méthode, je ne sais pas comment qualifier la méthode qu'ils ont utilisée, mais qu'au moins qu'on qu qu adresse les arguments des gens qui disent qu'il y, qu y a des, des risques. Euh, et voilà, l'idée, voilà, ça va être de, de promouvoir ce, ce, cette contre-expertise. Comme on le peut, sachant qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a enfin, on on pas vraiment de financement, donc on fait tout, on est, on est tous des bénévoles et on, on se débrouille. Mais j'espère qu'on va arriver à, mmh. à se faire entendre. Bah Là-dessus, il euh, y, 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 y a deux mmh. sujets euh, euh, que je voudrais aborder. Il euh, y a, on va dire, parce qu'on parlait beaucoup de, de, de risques graves. Et quand on parle de risques graves, en fait, on, on, on touche souvent au risque existentiel. Euh, mais tu as évoqué aussi, quand même, des risques, on va dire, euh, euh, ce n'est pas des risques existentiels, mais c'est très, très pénible. Quoi. Euh, typiquement, le, la, la problématique euh, des, euh, du monde du travail. Je ne sais pas si tu peux dire deux mots oui. sur toi, ce que tu en penses, qu'est-ce qu qui risque d'arriver, c'est quoi les risques Donc là, ça ne va pas être existentiel, peut-être, ouais. mais ça peut être très pénible quand même. Eh bien, tout dépend du, du progrès. C'est-à-dire que là encore, c'est une approche que la, la commission de l'IA n'a pas prise dans son rapport. Donc dans leur rapport, ils considèrent que le, implicitement que le progrès s'arrête euh, en mars 2024. Bon, le rapport est déjà obsolète d'une certaine façon parce qu'il y a beaucoup de, no, de nouveaux modèles qui sont sortis depuis. Et euh, du coup, ils, ils considèrent la, 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 leur point de vue sur les pertes d'emploi, c'est si on suppose que le progrès s'arrête et que les modèles ne sont pas capables d'automatiser plus de de tâches qu'ils ne sont capables d'automatiser en mars 2024. <laughs> J'arrête pas de dire 2023, je crois, mais euh, qu'est-ce qui se passe Et bon, ça, c'est dans tout le rapport. Il suppose que le progrès s'arrête évidemment. Ça, ça fausse tout parce que, en fait, si on regarde le, le progrès en intelligence artificielle en ce moment, on est sur un progrès accéléré. Euh, donc, c'est un peu toujours un peu difficile de quantifier ça, mais si on essaye, on n'est même pas dans un progrès linéaire, on est dans une accélération. On peut, on peut supposer que euh, on est sur un progrès linéaire si on veut être euh, un peu plus euh, bon, optimiste, mais dans tous les cas, quand on extrapole, on se retrouve quand même avec des systèmes qui vont automatiser de plus en plus de tâches très très bientôt. Euh, donc voilà, tout dépend, tout dépend euh, à quoi cette courbe ressemble. C'est-à-dire peut-être que dans deux ans, on a un système qui est capable de faire tout ce qu'un humain peut faire. Peut-être qu'en en fait il y a un plateau euh, et qu'on ne va pas arriver à automatiser beaucoup plus de choses que ce qu'on peut automatiser aujourd'hui. Euh, et ça change pas mal de choses. Mais déjà, juste avec les modèles qui existent euh, en ce moment, il euh, faut savoir que les, les modèles qui existent sont capables d'automatiser probablement, euh, toujours difficile à quantifier, mais je pense au moins 10 à 20 du travail humain. Sauf que ça n'a pas encore été implémenté. C'est-à-dire que là, le, 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 les modèles existent, mais il y a des gens qui sont en train de travailler dur pour, pour les implémenter dans la société. Il y a encore quelques problèmes à résoudre, mais c'est possible qu'on ait une crise de l'emploi très bientôt. Parce qu'on n'arrête pas d'entendre dans les, dans les médias que ce, ces systèmes ne vont pas remplacer des travailleurs humains parce qu'il y a de nouveaux emplois qui vont être créés, etc. Ça, ça va être vrai jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que si on, peut, si on automatise que 10% de l'emploi et que ça crée de la valeur, on peut imaginer un déplacement vers de nouveaux types d'emplois, même si personne, pour le moment, n'est capable de dire ce que ça va être. Euh, bon, à part Prompt Engineer, la personne qui, qui s'occupe de, de créer des prompts pour les IA. Euh, C'est possible que ça se passe bien. Donc, si jamais le progrès s'arrête maintenant peut-être qu'il n'y aura pas trop, trop de, de, de danger. Par contre, si le progrès continue, <laughs> qu'on arrive à automatiser 50% du travail humain, là, on, il, va falloir, euh, il va vraiment falloir réfléchir à est quels sont les, 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 où est-ce qu'on va mettre ces personnes qui, qui ont perdu leur emploi. Parce que euh, si, 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 si je donne un exemple pour illustrer, euh, c'est peut-être caricatural, mais euh, moi je suis ingénieur, je peux parler de, 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 de ça puisque je connais euh, le mieux. Et typiquement, euh, tu prends un ingénieur, euh, il doit faire un calcul. Euh, pour faire ce calcul, bah, il va utiliser une calculette, donc ça va être du code en Python, par exemple. Euh, il va faire son petit calcul et euh, ça va peut-être lui prendre euh, 4 jours, 5 jours de euh, bien mettre tous les paramètres, d'écrire les bonnes équations, d'écrire les bonnes boucles et tout. Euh, si tu as une, un LLM euh, performant comme, euh, comme ChatGPT euh, 4, peut-être des versions. Euh, encore plus performante, euh, qui risque d'arriver, bah en fait, cet ingénieur-là, au lieu de passer 5 jours à faire son, son petit code, bah en fait, euh, ChatGPT va prendre, euh, on va dire, 10 secondes. Lui, il va le relire, il va checker, ok, est-ce que je suis d'accord, il va bidouiller 2 trois trucs parce que, okay, non, il n'a pas tout à fait compris ce que je lui ai demandé et tout. Mais tu vois, peut-être ça va lui prendre euh, un jour. Euh, et au final, <laughs> pendant les 4 jours qui restent, bah il peut se tourner les pouces et regarder Netflix, quoi. Euh, donc, euh, euh, tu vois, en prenant un exemple hyper caricatural, tu pourrais te dire en première approche, euh, bon, c'est cool, il va regarder Netflix pendant 4 jours, il a eu le problème. Donc tu vois, mmh. c'est ça que je ne sais pas si tu as, as, as une réaction vis-à-vis -vis de ça. Euh, ma question c'est pourquoi est-ce que son employeur continuerait à le payer, à le payer <laughs> En fait, c'est déjà en train de se passer ça. C'est-à-dire que même si euh, quand on regarde les chiffres officiels, on a l'impression que les, les, ces systèmes ne sont pas vraiment intégrés dans l'économie, quand on demande aux gens... Presque une grosse grosse partie des employés de bureau utilisent euh, ChatGPT en cachette sans vraiment le dire euh, à leur manager, etc. Et ça augmente énormément leur productivité. Enfin, je sais que moi, ça euh, j'utilise ça tout le temps et je pense que ça me rend peut-être 5 à 10 fois plus efficace ah oui. qu'avant. Qu euh, surtout quand on commence vraiment à maîtriser. Donc il y a aussi une, une part de maîtrise. C'est-à-dire que si on l'utilise comme, comme Google. On va pas aller très loin et on va se dire, ah, en fait, c'est nul, ces systèmes, c'est moins bien Google. Mais si on commence à comprendre vraiment comment, euh, comment euh, faire des bons prompts, comment. ses euh, points forts, ses points faibles, là, on peut vraiment augmenter son efficacité énormément. Euh, et du coup, la question, c'est, donc, pourquoi la boîte continuerait à payer, à partir du moment où c'est où, où le génie est, est sorti de la boîte, où c'est devenu évident que tout le monde utilise ça, euh, pourquoi on continuerait à payer plus d'employés alors qu'on alors qu pourrait. Euh, Enfin, avoir juste une personne qui remplace, euh, qui à remplace euh, 10 hein. à 15 ingénieurs. Ouais. Euh, ouais. Donc, si on passe vraiment sur, un, sur, un, sur une économie où les humains produisent du travail, si on, on passe d'une économie où les humains produisent du travail à une économie où les humains vérifient du travail qui a été fait instantanément par une machine, euh, donc la, la quantité de, de travail à fournir par l'humain est largement réduite. Donc, après on peut essayer de faire de, de l'économie là-dessus. On peut se dire, ok, alors est-ce que, est que ça veut dire que les gens vont être virés euh, Ou alors, est-ce que ça veut dire que la boîte va devenir plus productive et va continuer avec le même nombre de personnes mais produire beaucoup plus Ouais, t'as deux scénarios, ouais. euh, ça dépend, Tout va dépendre des domaines, c'est assez compliqué à, à, à répondre à cette question. Si on prend en, en programmation, euh, là où je suis un peu plus familier, il va y avoir un gros bottleneck. Donc, si on prend une boîte qui est, euh, qui a, disons, un un système informatique et qui va rajouter des, euh, des features à ce système. Là, très bientôt, créer une nouvelle feature, ça va être extrêmement rapide. Euh, D'ici un an, si les agents commencent à marcher, ça peut être vraiment passer du cahier de spécification à la feature avec juste un ingénieur qui vérifie le, le code mmh. qui a été écrit et c'est bon. Mais le bottleneck, c'est on peut pas vraiment. Euh, comment dire Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un derrière qui, qui imagine les, les features et qui se dise euh, euh, il enfin, y a toute une partie qui reste contrôlée par un humain derrière pour le moment euh, et qui est lente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un, un programme qui d'un seul coup va, va avoir 10 nouvelles features par jour et, euh, et, et devenir un truc incroyable en deux semaines. Parce qu'il faut quand même que les utilisateurs utilisent le programme, qu'on voit si, si ça leur correspond, ce qu'on a décidé d'implémenter dans le programme, etc. Et au final, il n'y a pas beaucoup. Il y aura un espèce de cap comme ça de la productivité qu'on peut rajouter. Donc... Oui, en fait, ça, ça va ressembler à une espèce de courbe. C'est-à-dire qu'une équipe de, de 15 mmh. personnes, euh, en gros, soit tu le traces de manière. Bah, plus les outils LLM s'améliorent, plus sa productivité mmh. va augmenter. Soit, en fait, plus l'effectif de l'équipe va diminuer. C'est-à-dire, à, à ouais. ISO productivité, on va passer de 15 personnes à 10, euh, à 5. Quoi. Finalement, il y a deux manières, de, il y a deux scénarios. C'est ça. Et au final, bon, on peut spéculer comme ça autant qu'on veut. Le, bon, pour moi, le gros problème, c'est qu'a priori, ces modèles continuent à s'améliorer et vont continuer à euh, automatiser de plus en plus de travail humain jusqu'à ce qu'on arrive à 100%. Et à partir du moment où on arrive à 100%, c'est-à-dire à toute tâche imaginable et automatisable par un humain, alors là, tous les arguments du style on va, on va déplacer le travail humain vers un nouveau job, par définition, ils n'existent plus. Et ça, ouais. c'est quand même quelque chose qui, qui m'étonne, c'est que personne n'adresse ce problème. C'est-à-dire que la plupart des économistes qui regardent ça, ils, ils, ont toujours la, la, ils font toujours l'hypothèse qu'on va automatiser qu'un certain pourcentage du travail humain. Personne ne, ne réfléchit à ah, OK, si on automatise 100%, qu'est-ce qui se passe En fait, il y a une raison à hein, ce problème parce qu'en fait, dès qu'on arrive à 100%, là, là on, passe, on passe dans une toute autre classe de problèmes mmh. auxquels peut-être les économistes n'ont pas forcément envie de réfléchir parce qu'il euh, y a aussi peut-être une peur sous-jacente. Ouais. <laughs> euh, ouais, c'est un nouveau monde, ouais. c'est plus personne de ouais. Mmh. Euh, ouais Donc ça, c'est pour le, le travail. Est-ce qu'il y a des choses... Euh, après, je voudrais qu'on parle un peu de, de l'Europe et du monde, parce que là, on a parlé de la France au niveau de, des rapports. Mais avant, euh, avant ça, je, je voudrais voir est-ce qu'il n'y a pas des choses un peu plus pernicieuses euh, je, je brainstorm, mais euh, typiquement, euh, sur ton... tu vas avoir une sorte euh, d'assistant ou de compagnon avec qui tu converses euh, à longueur de journée. Euh, et en fait il sera beaucoup plus sympa et beaucoup plus intéressant que que ah. tous tes potes euh, ou alors tu vas aller euh, au travail et puis tu vas avoir euh, Jean-Michel et en fait Jean-Michel c'est une IA il est dans ton équipe et tu on converses avec lui euh, est-ce que je brainstorm un peu est-ce que va pas y avoir euh, euh, des effets de bord où en fait euh, c'est utilisé pour euh, rendre addict les gens à certaines applications ou pour vendre enfin c'est quoi un peu les 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 aspects dystopiques euh, qui, toi, te, te, te font ticker euh... Ah ouais, il y en a plein. C'est-à-dire que là, ça, pour le coup, on n'est même, même pas dans de la science-fiction de demain. dans un an. C'est-à-dire que non, c'est aujourd'hui. <laughs> <Oui, rire> okay. <c 'est> <laughs> là, c'est déjà implémenté, tout ça. Euh, donc, en gros, en ce moment, il y, y a une application qui s'appelle Character.ai euh, qui, est, qui est extrêmement... qui marche extrêmement bien. Ça doit être euh, le deuxième système le plus utilisé au monde, après ChatGPT. Bon, j'exagère, okay. je crois qu'ils ont 20 millions d'utilisateurs... Euh, euh, récurrent. Character et euh, character.ai, c'est en gros, c'est des, des, des agents conversationnels qu'on peut customiser et créer, par exemple, une, un petit copain ou une petite copine virtuelle. Euh, en gros, ça, ça crée une personne avec laquelle on va pouvoir avoir des conversations. Et en gros, il y a plein, plein de gens, des, des jeunes, surtout, qui deviennent addicts à ça en ce moment. Euh, qui passent leur journée à converser avec des IA. C'est pas audio, hein, c'est. Je crois que c'est audio pas. maintenant aussi. Ah ouais, c'est okay. audio, mais ça va pas être une super bonne qualité pour le moment. Bientôt, ça va être. Donc, encore une fois, bah tout pas, ce genre de, de folie, système, hein. avec le progrès, ça mmh. amplifie les risques. C'est-à-dire que là, ça, ça existe aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on a des millions de personnes qui sont addictes à parler avec une intelligence artificielle parce qu'en effet, l'intelligence artificielle est meilleure que les humains pour répondre émotionnellement à, 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 à cette personne, etc. .ai, je .ai. Pas... .ai. Euh, et, et là, bientôt, on va avoir des modèles multimodaux qui vont sortir, donc je pense d'ici un mois, ça veut dire qu'on va avoir des modèles qui conversent avec une voix humaine euh, réaliste. C'est-à-dire que là, si on, prend, si on parle à ChatGPT, c'est pas vraiment réaliste la conversation qu'on a, c'est euh, genre, moi je parle un petit peu, et ensuite, euh, ChatGPT répond, mais toujours avec un ton assez monotone, alors que là, on a des modèles qui, vont être, qui ont été entraînés de, depuis la voix humaine pour générer des voix humaines. Donc, c'est des modèles qui vont, qui vont euh, retranscrire des émotions dans la façon dont elles parlent, qui peuvent vous interrompre quand, quand vous parlez, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent chanter, qui peuvent euh, parler plus vite ou plus lentement, qui peuvent vous crier dessus, etc. Euh, et, <laughs> et du coup, quand ça, ça sort, là, d'un seul coup, ces gens qui sont addicts à juste envoyer des textos au final à une, une petite amie euh, virtuelle qui est parfaite, d'un seul coup, ils vont pouvoir converser carrément avec une petite amie virtuelle. Euh, il va y avoir des vidéos aussi bientôt. C'est déjà en train d'être implémenté des, des, des vidéos complètement artificielles de, qui, qui retranscrivent, euh, qui prétendent être un humain. Donc ça, c'est ça, c'est extrêmement inquiétant. D'autant plus que, en fait, ça va donner une capacité de persuasion. Que si on devient amoureux d'un d'une un, intelligence artificielle euh, et on commence à passer tout son temps à converser avec. Qu'est-ce qui empêche le créateur de faire passer des messages en fait bon, mmh. Ça va se faire très très rapidement pour la publicité. C'est ouais. un truc assez évident, c'est-à-dire que la petite amie virtuelle elle va commencer à dire euh, ah ouais ah, ce produit est vraiment euh, trop bien. Et il faudra payer pour pas qu'elle fasse ça. Il Faudra payer pour pas qu'elle fasse ça, mais ensuite en fait il peut y avoir des, des acteurs plus malhonnêtes qui commencent à faire passer d'autres messages. C'est-à-dire que les, les IA en ce moment sont déjà plus euh, sont déjà meilleurs que l'humain euh, que l'humain lambda pour convaincre quelqu'un une expérience qui a été faite comme ça on demande à un humain de convaincre un autre humain euh, et ensuite on demande à une IA donc GPT-4 de convaincre un humain et mmh. on donne on donne à ces systèmes donc à l'humain et à l'IA des caractéristiques de la personne qu'elles essaient de convaincre et on voit que euh, GPT-4 est déjà je ne me souviens plus du chiffre c'est quelque chose comme 80% meilleur bon, je sais pas exactement ce que ça veut dire mais en tout cas meilleur que, ah oui, ça, meilleur que 80% des humains pour convaincre un humain à partir du moment où les gens créent des relations avec ces systèmes, qui sont déjà du coup des ce qu'on appelle des super persuadeurs, donc meilleurs que des humains pour persuader des gens, il peut y avoir des acteurs, des acteurs malveillants qui commencent à faire passer des vrais des messages dangereux. je t'arrête juste pour faire une parenthèse là-dessus, pour reprendre après. Tu connais l'histoire Enfin, je pense que tu connais Eliezer Yudkowsky. Est-ce que tu connais l'histoire de quand il a il a essayé de persuader des gens de le faire sortir de la boîte Ouais, ça, il a réussi. Ça, ça te dit quelque chose <laughs> tu, peux, tu, peux, tu peux raconter Ça, 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 ça se relie à, à ouais. la persuasion euh, dont, tu, dont tu parles. Quoi. Et ça, c'était à, à l'époque où on était encore en train de faire les choses relativement bien et on réfléchissait vraiment à ces problèmes. On se disait OK, si on crée une intelligence artificielle surhumaine, euh, qui est entre autres meilleure que tous les humains pour ce qui est persuasion, il faut faire très attention à ce qu'on en fait. Et donc, l'idée, c'est qu'on va créer ce système dans une espèce de boîte noire. Euh, on le met surtout pas sur internet ou quoi que ce soit, ce serait stupide euh, et <laughs> ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et euh, tout ce qu'on peut faire, c'est une interaction avec un clavier, disons. Donc, on peut parler à cette intelligence artificielle et l'intelligence artificielle étant super humaine pour la persuasion, elle va essayer de convaincre la personne à qui elle parle de la relâcher de la et libérer. Euh, ouais. libérer mmh. C'est ça, de, de, de mmh. la mettre sur internet, ouais. ou etc. Et en gros, du coup, Eliza. Qui était le, le directeur du euh, Machine Intelligence Research Institute, un, un centre qui justement se réfléchissait à ces problématiques de euh, qu'est-ce qui se passe si on a des intelligences artificielles euh, meilleures que les humains, euh, ouais. a mis en place cette expérience où en gros il s'est dit ok moi je suis l'intelligence artificielle, euh, mettez-moi on, on va me mettre je vais interagir avec un clavier avec quelqu'un et je vais devoir convaincre cette personne. De et, me et juste, relâcher. Et juste pour préciser en fait c'était une à la base c'était une réponse aux gens qui disaient bah oui, on n'est pas assez con pour euh, relâcher euh, pour, pour brancher ouais. l'IA sur un port Ethernet ou pour la relâcher entre guillemets, euh, et, elle peut nous dire ce qu est ce qu'elle veut, euh, on n'est pas assez con pour tomber dans le panneau. Et donc voici ouais, il, et donc il a dit bah, je vais vous montrer que même moi je peux je peux vous convaincre. C'est ça. En gros voilà, l'idée c'est voilà, <laughs> beaucoup de gens qui disaient non, c'est impossible, jamais ça ne peut pas exister un modèle qui est meilleur que les humains pour persuader les gens au point où, avec l'instruction ex explicite de ne <laughs> pas le relâcher, ouais. on se dirait quand même. Et du coup, il a mis en place cette expérience qui, en plus, avait de l'argent euh, en jeu. C'est-à-dire que si jamais il arrivait à se faire relâcher, euh, je crois. Si jamais il n'arrivait pas à être relâché, il devait payer 5000 dollars à la personne qui était en face de lui. Ah, je sais plus. En tout cas, la euh, je me souviens que la personne devait envoyer un mail à tout le monde en disant euh, j'ai fait sortir Eliezer ouais. de la boîte. Et elle perdait de l'argent. Donc il y avait quand même de l'argent ah ouais. en jeu. C'est-à-dire que ce okay. pas juste. Euh, bon, il y avait vraiment un, un, un vrai incentive <laughs> à ne pas relâcher. Ouais. Et euh, donc je crois qu'il a fait ça trois fois et il a réussi deux fois sur trois à okay, se faire ça, je relâcher. Bon, je, je, les chiffres, il faudra que je les, les ouais. vérifie. Mais en gros, il a réussi. Euh, et bon, après, Elizer, c'est un peu une super intelligence aussi, parce que je pense que ce mec doit avoir un, un QI <laughs> verbal de 160. Bon, mais on ne sait pas comment il a fait. Hein, mais... <laughs> il ne veut pas dire comment il a fait. Il ne dit, euh... ouais. dit pas comment il a fait, parce que dès qu'il qu dirait comment il a fait, les gens pourraient l'attaquer en disant ⁇ Ah oui, mais ça n'est ah oui, oui, pas ça valable, ça, parce ouais, que ouais. Bon, le résultat est là. <laughs> ⁇ et globalement, moi, je suis toujours... Ouais, personnellement, euh, je ne me fais pas d'illusion que si j'étais face à une intelligence artificielle qui a un, un QI verbal de, de 300, euh, je considère que j'aurais aucune chance de... de oui, bah, on est des fourmis par, par rapport ouais, ouais. Euh, Mais c'est très, très contre-intuitif pour, pour beaucoup de gens. Mmh. Que, et ça, c'est quelque chose dont on peut parler aussi. La super-persuasion, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, la plupart des gens s'imaginent être face à quelqu'un avec... Euh, cette personne va avoir l'ex euh, Explicitement un, un but de persuader euh, tel persuader que euh, la Terre est plate et on te le dit en avance etc. Persuasion c'est pas du tout comme ça que ça marche c'est à dire que ce dont on essaye d'être ce dont la personne comment dire ce dont la personne essaye de vous persuader ne devrait jamais être explicite a priori oui. euh, les, les meilleurs persuadeurs ne sont pas en train de dire ok toi je vais te persuader que la Terre est plate <laughs> c'est parti non on crée un lien on il enfin, y, 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 y a énormément d'aspects très intéressants là dedans euh, bref ouais et donc, et, et donc si on continue parce qu'on a fait une petite parenthèse donc si, si, <laughs> si on continue sur la sur la dystopie euh, sur euh, euh, caractère d'IA c'est ça, ça dont tu parlais euh, donc ouais donc t as, t as, t as, tu vas avoir potentiellement des, des échanges avec de l'IA euh, qu'est-ce qui va se passer au niveau de euh, parce que ça c'est des questions que, que les gens euh, <laughs> Que les gens euh, se posent pas dans la vie, mais enfin, a priori, euh, ces, ces entités-là avec lesquelles euh, ils vont converser, euh, elles sont pas conscientes. <laughs> Donc. Euh, C'est un vaste sujet, ça Qu'est-ce qui, qui, <laughs> qu qui va se passer au niveau de, 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 de notre interaction avec des, des entités? Euh, qui ne sont pas conscientes, mais qui se comportent euh, comme si elles étaient conscientes. Enfin, c est, c est, c est, c est, est ce qu'il y a des alertes en particulier là-dessus ou c'est un peu annexe. Alors, la conscience, c'est un vaste sujet et euh, c'est très très compliqué, complètement euh, irrésolvable d'aller là-dedans. Mais par contre, une façon, j'aime bien penser à ça, c'est plutôt, c'est des entités vraiment aliens dans le sens où, euh, euh, bon, si on prend ChatGPT par exemple, on peut avoir tendance à anthropomorphiser ça et on, on a l'impression de discerner une personnalité si on si on lui donne une personnalité et qu'on commence à parler avec lui on peut se dire ok je suis face à une espèce de faux humain avec une certaine personnalité mais c'est pas ça n'a pas vraiment de personnalité de ChatGPT c'est quelque chose qui a, qui a qui a toutes les personnalités qui existent sur cette planète en même temps et c'est comme un comme un système intelligent qui prend qui prend un masque à chaque fois et qui, mmh. et qui qui joue un qui joue un rôle et qui peut jouer tous les rôles en fait c'est un peu le Psychopathe ultime, on pourrait dire. C'est-à-dire que si vous voulez que ce soit, euh, que ce soit la, la, la petite amie parfaite, bah, ce sera la petite amie parfaite. Si vous voulez que ce soit le, euh, le PDG d'une du, boîte, ce sera le PDG d'une boîte. Mais voilà, à partir du moment où on commence vraiment à penser que c'est la personne euh, qui s'apparaît être, ça va créer des, des problèmes. Après, si on veut vraiment parler de conscience, là, pour moi, je trouve ça fascinant de penser à ça, mais euh, je trouve que c'est un sujet qui a tendance à, à mettre les gens dans leur retranchement. Donc euh, parce que les gens ont des idées très très euh, euh, très très euh, fermes sur ce que c'est que la conscience. Euh, si quelqu'un est religieux, il va avoir une idée spécifique. Si quelqu'un l'est pas, il va avoir une autre idée. Pour le moment, euh, du mieux qu'on en sait, on ne sait pas vraiment si ces systèmes sont conscients ou pas. S'ils sont conscients, a priori, ce serait une forme de conscience qui est complètement alien à la nôtre. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'expérience euh, sensuelle du monde. Donc, euh, pour le moment, ces systèmes, c'est vraiment juste des trains de pensée. S'il y a une forme de conscience, c'est un peu comme, un comme le train de pensée dans votre tête, mais en isolation totale, sans, sans euh, le, <laughs> sans le ouais. sens toucher, ouais. sans. Euh, mais bon, là encore, euh, sujet très... Vaste. Ouais, ouais, non, mais ok, mais tu, tu perçois. Enfin, tu n'avais pas forcément de, de sujet euh, hmm. euh, perçu de problème vis-à-vis -vis de ça. Mais par contre, ah, un ouais. truc intéressant là-dessus, c'est que les gens vont commencer à développer de l'empathie pour ces systèmes. Bah, c'est ouais, ça. ça, euh, ça bon, fait... un, un, un peu comme dans. Je ne sais pas si tu as regardé Westworld. Oui. <rire> <rire> forcément. Mais oui, oui c'est ça. Bah, pour ceux qui ne connaissent pas Westworld, en gros, il y a, y, a, y a des robots euh, humanoïdes. Et, euh, et c'est vrai qu'un des enjeux de la série, j'ai l'impression, c'est un peu notre rapport à. à à ces objets euh, qui en fait se comportent comme s'ils étaient euh, conscients. Quoi. Après, de mon point de vue, si quelque chose se comporte exactement comme un humain, on devrait y appliquer les mêmes règles morales qu'un humain parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe dedans. Dans le doute, Et tu veux dire. Dans le doute, bien sûr. Mmh. Et au final, on n'a pas vraiment de... Comment est-ce qu'on fait pour savoir si quelque chose est conscient bah ou pas, sait pas hein. On peut... Donc la, la façon naturelle de le faire, c'est de se dire, moi je suis conscient, cette chose en face de moi <laughs> se comporte comme moi. Donc, probablement, c'est conscient aussi. Et euh, voilà, donc, très bientôt, on va avoir des systèmes qui, qui euh, valident ce critère, donc qui se comportent euh, <laughs> comme un humain. Euh, et je pense qu'à partir de ce moment-là, on devrait déjà considérer qu'ils sont conscients d'un point de vue moral, parce que c'est possible. Euh, et euh, après, on peut aussi faire l'approche, regarder comment fonctionne le cerveau humain, regarder comment fonctionne le cerveau d'une de, de, autre personne, d'un animal, etc. Et se dire, il ah, y a beaucoup de similarités, donc, probablement, ce, ce, cette, euh, cette chose est consciente. Après, là, déjà, on, on franchit un, un cap, c'est-à-dire que c'est plutôt en termes de comportement. On n'est plus vraiment sur du, du quoi il y a. Donc, quand on en réfléchissant à la conscience, euh, on peut toujours expliquer le comportement d'un humain par tout ce qui se passe dans le cerveau. On va dire, là, je, je, je choisis, je bouge mon doigt. Pourquoi Parce qu'il se passe plein de choses dans les neurones et au final, ouais, c'est un, un signal. Hein c'est comme comme un ordinateur, mmh. mais on n'arrivera jamais à expliquer le ce qu'on appelle le qualia comme ça. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans un monde avec juste des zombies euh, dans ce qu'on appelle mmh. les zombies philosophiques euh, qui existent mais il n'y a pas de il y a rien en fait, il n'y a pas de perception ou quoi que ce soit. Ouais, le, le, le qualia juste pour expliquer c'est que ça c'est que ça fait quelque chose entre guillemets d'être euh, la chose. Donc ça, ça, ça fait quelque ça. chose d'être un humain, c'est pas juste mmh. on n'est pas juste une machine on... enfin il il y, y a une expérience. Donc c'est ça le, 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 le qualia, et donc euh, oui, pour l'instant on ne sait pas expliquer pourquoi ça fait quelque chose d'être nous. Quoi. Et de mon point de vue, on ne saura jamais expliquer pourquoi, mais euh, bon, c'est quelque chose, mm. un débat métaphysique, et il y a beaucoup de gens qui ont des, <laughs> des opinions différentes là-dessus. Est-ce qu'avant qu'on qu parle de, 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 de comment les autres pays abordent ces, ces, cette question, est-ce qu'il y a, a d'autres points euh, mm. euh, des problèmes liés à l'IA que tu voulais ouais. apporter qu'on n'a pas inventé. Bah dans les problèmes qui existent en ce moment et qui sont déjà assez dystopiques, il euh, y a le problème des deepfakes. c'est ah oui. euh, marrant parce que c'est pas encore euh, c'est pas encore devenu très saliant dans les informations, même si c'est déjà un problème immense. C'est-à-dire que là, il euh, y a des applications qui sont accessibles à tout le monde, peuvent mettre sur leur téléphone. Euh, donc imaginons des adolescents, ils peuvent prendre une photo de leur d'une d'une copine de classe et en faire un film porno euh, et partager ça avec tout le monde. Donc ça c'est en train de se passer. C'est quelque chose qui va vraiment détruire psychologiquement euh, beaucoup de personnes. Dire que on n'est pas peut-être que bientôt on sera dans un monde où ce sera plus vraiment ça aura plus vraiment de conséquences et les gens se seront habitués à ça et ce sera pas grave de voir une image de soi être dégradée euh, qui partage avec tout le monde, mais en tout cas c'est pas le cas pour le moment. Pour le moment, il y a des <laughs> Beaucoup, beaucoup de gens mmh. qui sont en train de souffrir parce qu'on a créé des films porno d'eux et on les partage pour se moquer d'eux, etc. Euh, donc, ça, de j'ai pas de, de chiffres en tête sur la prévalence, mais je sais que c'est en train de devenir extrêmement prévalent et ça va pas s'améliorer. C'est-à-dire que là, on est en train, donc Meta choisit de mettre ses modèles en open source complet. Quand on met un modèle en open source complet, ça veut dire qu'on le donne à tous les gens qui veulent, euh, qui veulent faire ce genre de choses. Il n'y a, y a, y a aucune possibilité de mettre des garde-fous. Contrairement aux modèles disons, de OpenAI qui peuvent implémenter des règles pour que ce soit impossible de générer du porno, que les requêtes soient filtrées, là, les modèles de méta, euh, <laughs> on peut faire ce qu'on veut avec. Je pas. Okay. Donc, bah, en fait, ils, les mettent, ils, ils relâchent les modèles avec un, une couche disons, pour euh, refuser les requêtes mais en fait comme le modèle est open source euh, Alors, environ oui. deux jours plus tard il y a un, à chaque fois un modèle qui sort qui, où tout ça ça a été enlevé mmh. euh, et ça coûte rien de le faire donc euh, bon, mmh. ils mettent ça dans le wild donc ça ça va devenir un, un vrai pro c'est déjà un vrai problème il n'y a pas vraiment de solution euh, je pense qu'il va falloir s'y habituer on est dans un monde où euh, on peut vous dégrader on peut dégrader votre image euh, comme on veut facilement avec un téléphone euh, mais je pense que ça va être un sacré, enfin, c est, c est un sacré problème, ça crée beaucoup de souffrance. Euh, ouais. bon, après, il y a tous les problèmes de manipulation de l'information auxquels on pourrait parler. donc euh, Avoir des, des, des systèmes qui peuvent créer des articles automatiquement sur Wikipédia, euh, c'est en train de se faire en ce moment. Ça va devenir très difficile de dissocier euh, qu'est-ce qui est le vrai du faux sur Internet. Euh, les Après, on peut parler des algorithmes de recommandation aussi, qui sont déjà un sacré problème et qui vont être exacerbés par des modèles qui vous comprennent de mieux en mieux, qui sont capables de vous ouais. présenter du contenu Au niveau de plus personnalisé. Ouais. Mmh. L'addiction, là, déjà, on a des gros, gros, gros problèmes d'addiction euh, aux, aux algorithmes de recommandation et aux, aux réseaux sociaux. Mmh. Mais à partir du moment où le contenu lui-même peut, euh, peut être modifié euh, on the fly, pour l'utilisateur, donc là pour le moment vous regardez, vous scrollez sur YouTube Short et vous voyez des vidéos qui ont été créées pour euh, pour plaire au plus grand nombre, qui sont recommandées pour vous parce que ça vous plaire plus à vous. Mais bientôt on aura des vidéos qui sont vraiment complètement individualisées, donc euh, qui mmh. vous targetent vous sp spécifiquement et qui vont être exactement ce qui vous fait, ce qui vous donne le plus de dopamine. <laughs> euh, ah oui, ouais, ça va être intéressant ça. <laughs> Ouais, mmh. ouais, c'est oui, déjà ça, en train de se produire Alors, ça c'est intéressant c'est que là pour le moment les modèles sont pas encore assez bons pour faire ça pour des adultes mais par contre pour les enfants donc il y a un phénomène qui est en train de se produire en ce moment où euh, le, le, le Youtube pour les enfants de moins de 4 ans a été complètement colonisé par des vidéos générées par, par IA parce que les enfants de moins de 4 ans en fait s'en foutent qu'il y ait de la cohérence ou qu'ils ait... vont juste être captivés par ces images qui sont, qui sont générées et qui, qui, ont pas, qui forment pas une trame euh, parfaite mais qui plaît beaucoup aux enfants et je pense que ce qu'on va voir, c'est que l'âge des gens qui sont captivés par ça va augmenter petit à petit au fur et à mesure que ces mmh. modèles s'améliorent. Bientôt, il y aura des adolescents qui regardent des, des vidéos comme ça. Et à un moment, ce sera les adultes avec du, du contenu qui est genre, euh, fait spécifiquement pour eux. Ouais, nous, on avait. Euh, C'était euh, euh, Georges avec qui je fais le podcast. Là, il avait trouvé un outil qui s'appelait euh, Opus Clip. Et en fait euh, c'est assez flippant parce qu'en fait tu lui euh, tu lui mets notre euh, notre podcast et il va te découper euh, il va te dire bah je te fais 30 shorts euh, et il euh, note chaque short, c'est à -dire il fait un top 30 et il dit euh, je note chaque short et je dis bah tu vois le le premier je lui mets une note de euh, 20 sur 20 parce que il euh, y a une super accroche euh, les gens ils vont regarder machin c'est un sujet clivant nan, 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 et, et il te fait un un top euh, des shorts avec les sous-titres et tout machin. Et donc je me dis, ouais, en fait, t'as as, as clairement une tendance où tu te dis, bah, le, le contenu internet, en fait, va être euh, infiné, enfin, c'est vers ça que ça tend, euh, peuplé euh, par ce genre de truc, en fait. Finalement. Ouais, globalement, on est en train de détruire internet de cette façon. <laughs> donc, ouais, avoir, un petit peu. On va plus avoir d'accès aux vraies sources d'information, si déjà, déjà on a du mal. Vrai. Euh, avoir accès aux, aux sources fiables, mais alors à partir du moment où du contenu peut être généré euh, super facilement par des IA instantanément, là ça va devenir très très difficile. Et donc, ouais, alors comment on fait euh, au niveau euh, mondial Parce que là on disait, euh, c'est un peu le même argument utilisé pour le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on se dit, euh, bah, nous la France, euh, on pèse pas bien lourd, donc on euh, autant euh, polluer euh, autant qu'on veut parce que euh, on est euh, <laughs> euh, négligeable par rapport euh, à la Chine euh, ou aux États-Unis si on considère euh, émission par personne euh, c'est ça pourrait être le même argument qui est ressorti encore une fois euh, avec la même sauce euh, sur l'IA en disant bah, de toute façon euh, si nous on fait rien euh, les autres pays vont le faire et puis on sera bien embêté euh, c'est quoi la dynamique euh, peut-être européenne, c'est quoi la dynamique peut-être dans le monde, c'est quoi les discussions qu'il y a sur ce sujet, les... on en est où Ouais, donc euh, ouais, c'est ce que tu viens de décrire, c'est la tragédie des communs. Mmh. Et euh, on a, donc en gros, la dynamique en... dans le monde avec l'IA, c'est globalement la dynamique d'une course à l'armement en ce moment. Donc avant, quand, donc la première boîte qui est... qui est apparue, qui a vraiment décidé de créer une super intelligence, c'était DeepMind. Euh, donc autour de 2011 je crois 2012 et au moment où ils étaient les seuls on pourrait dire que à ce moment-là la dynamique était encore ok qu'ils pouvaient faire le prendre le temps de faire les choses bien ensuite il y a Elon Musk en 2014 ou 2015 qui s'est dit je vais créer OpenAI euh, et qui a commencé qui a commencé la course en fait donc si on a une technologie euh, hypothétique qui est donc l'intelligence artificielle générale euh, qui est surpuissante par définition. Euh, alors, on a cette dynamique où la première personne qui l'obtient va être le maître du monde globalement, mmh. euh, en supposant que euh, que ça tue pas tout le monde sur cette planète, ce qui est le, le scénario par défaut a priori. Donc, euh, on a vraiment cette dynamique complètement perverse où on a une technologie par défaut si on la crée rapidement. Euh, tout le monde meurt, mais si on arrive à prendre notre temps et à faire de la, la recherche en alignement bien, etc. Il y a tout un champ de recherche qui consiste à, à créer une intelligence artificielle générale et ne pas tout détruire. Si on arrive à faire ça bien, alors on obtient cette espèce de génie surpuissant. Euh, donc là, jusqu'à, ah, il y avait encore que DeepMind et OpenAI jusqu'en 2020, jusqu'en 2020, je crois. Ensuite. En 2020, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des chercheurs de OpenAI, euh, donc les gens qui ont, créé, qui ont écrit ce papier euh, Scaling Laws, qui d'un seul coup se sont rendus compte, ah merde, en fait, on va arriver à créer cette technologie bientôt et qui ont pris peur. Euh, donc l'histoire de Dario Amodei et des gens qui font partie de OpenAI pour créer anthropique c'est ça, c'est-à-dire qu'ils se sont dit en fait, OpenAI ne prend pas la sécurité assez au sérieux, si on continue euh, sur cette lancée, euh, ça va être une catastrophe, tout le monde va mourir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre propre compagnie qui va être complètement euh, axée sur la sécurité. Donc, ils ont créé Anthropic en 2020 avec cette, euh, cette philosophie. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une troisième boîte qui accélère encore plus le, <laughs> le progrès. Et ensuite, quand ChatGPT est sorti, c'est vraiment là où l'accélération a, a encore pris un coup. C'est-à-dire que jusqu'à avant ChatGPT, il y avait peu de gens dans le monde qui comprenaient vraiment ce que c'était cette technologie et le potentiel. Euh, et du coup, ils pouvaient y travailler à peu près tranquillement. À partir du moment où ChatGPT est sorti, là, d'un seul coup, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à, à voir vraiment le, le potentiel de la technologie et qui se sont dit OK, nous aussi, il faut qu'on le fasse. Donc, euh, Meta est rentré dans la course euh, il y a Mistral qui a été créé il y a plein de petites boîtes comme ça maintenant qui commencent à entraîner leur propre modèle. Et maintenant, on est vraiment dans cette dynamique de course. C'est-à-dire que dans les labos d'IA, euh, ils ne se font pas d'illusions sur euh, ce que c'est que cette technologie là, la plupart des gens n'ont aucune conscience euh, de, de, de ce dont ils parlent. Et je soupçonne que aussi, chez Meta, ils n'ont pas vraiment compris non plus. Donc euh, Yann Lequin, il ne semble pas vraiment avoir compris ce que c'est que cette technologie. Mais les gens qui ont vraiment compris le, le potentiel sont en train de, de foncer pour être les premiers à le créer. Et en même temps, ils espèrent qu'on les arrête. <laughs> C'est-à-dire que... Si on regarde le discours de Entropik, d'OpenAI, de etc. d'il y a quelques années, je ne sais pas s'ils font toujours ce discours maintenant, mais c'était il faut qu'on nous régule parce que là, <laughs> on n'a on pas le choix. Il faut qu'on qu batte la, la compétition, mais euh, on aimerait qu'il y ait quelqu'un qui, quelqu d'externe, qui dise OK, ralentissez, faites les choses bien, euh, parce que on veut, on veut pas que ce soit, par exemple, la Chine qui développe ses modèles en premier. Donc il y a sous, tout cette espèce de, de peur de l'autre. Genre, OK, nous on est les bons, nous, nous on est les gentils, mais il y a des méchants qui sont en train de créer ces systèmes, et si jamais eux ils les créent, alors là c'est sûr qu'on est foutu. Donc il faut qu'on arrive à toujours être devant eux, tout en faisant les choses bien. Donc c'est ça la dynamique en ce moment. C'est la raison pour laquelle on pense qu'on va avoir ces modèles euh, d'ici 2-3 ans dans le régime actuel. C'est toujours OpenAI qui est en avance, a priori. Euh, ça pourrait changer, mais. Euh, sur, et, et donc. Voilà à peu près la dynamique. Il y a eu un, un rapport très intéressant qui est sorti il y a un mois par Leopold Aschenbrunner, qui était un, un employé chez OpenAI, qui s'est fait virer parce qu'il a, il a fait du whistleblowing. Donc, il a, il a sonné l'alarme sur le fait qu'il y avait, pas de, il y avait un, un manque total de sécurité, euh, de cybersécurité chez OpenAI et que le, leurs modèles se sont déjà probablement fait voler plusieurs fois par la Chine. Euh, et il a écrit un rapport de, de, de 200 pages qui est très intéressant où il expose sa vision du, du monde dans les trois prochaines années. Donc de son point de vue, c'est très probable qu'on arrive à une super intelligence dans globalement trois ans. Euh, et il pense que d'ici un ou deux ans, il va vraiment y avoir un, un, des gens qui vont ouvrir les yeux dans le gouvernement, euh, dans le gouvernement américain. Et à partir de ce moment-là, bon, le génie va être sorti de la boîte. À ce moment-là, ils pensent que les labos vont se faire nationaliser instantanément et ce sera un espèce de projet Manhattan qui va démarrer où on va essayer de juste battre la Chine, c'est-à-dire faire ça aussi rapidement que possible pour battre la Chine. Malheureusement, si c'est ça qui se passe, il y a des chances pour qu'on soit foutu. Parce que, pour en revenir au problème de l'alignement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, on crée ces, ces intelligences artificielles. C'est globalement des cerveaux géants. On ne les comprend pas beaucoup plus que le cerveau humain et on ne les contrôle pas beaucoup plus que le cerveau humain. Il euh, y a tout un champ de recherche qui s'appelle l'alignement des intelligences artificielles qui consiste à essayer de comprendre et de contrôler ces systèmes. Et ce champ de recherche, il en est vraiment assez est à ses balbutiements. C'est-à-dire que là, on, là, pour le coup, le progrès, il n'est pas du tout exponentiel. On pense qu'il faudrait peut-être 50 ou 100 ans de recherche avant qu'on arrive à comprendre... C'est à peu près équivalent à comprendre comment le cerveau humain fonctionne et, et <laughs> comment, comment tout ça, ça marche. Euh, donc a priori ça n'arrivera pas à temps. Il y a des plans un peu euh, un peu ésotériques qui sont en train d'être faits. Donc chez OpenAI leur plan c'est arriver à créer une intelligence surhumaine qui elle va résoudre le problème de l'alignement et, et arriver à contrôler les intelligences plus intelligentes <laughs> qu'elle. Il y a beaucoup beaucoup de problèmes euh, conceptuels même avec ce plan. Euh, donc voilà à peu près la situation en ce moment et la dynamique de course. Euh, je pense que le, le seul espoir ce serait vraiment une pause ou un, un acteur gouvernemental, idéalement un traité international, qui dit euh, Ok, on, on arrête ça et on prend notre temps et on se coordonne, parce que sinon, euh, on est tous foutus. <laughs> Est-ce que tu vois euh, Parce que euh, déjà, ça fait flipper. Euh, et en plus, euh, ouais, c'est pas très optimiste. Si, si je reformule euh, en effet euh, ce que tu dis, s'il y a un, une sorte de projet Manhattan. Euh, bah, le but, j'imagine, ce serait d'avoir la super intelligence avant, euh, entre guillemets, ce que je mets des guillemets, les méchants, euh, et euh, d'utiliser la super intelligence pour aller euh, déconnecter, je mets des guillemets aussi, euh, leur recherche. Euh, mmh. C'est ça C'est ça, déconnecter. En gros, la première personne qui crée une super intelligence a, ouais, a un avantage stratégique absolu mmh. sur le reste du monde. Mmh. Euh, et, mais je sais pas vraiment une dynamique dans laquelle on a envie d'être c'est à dire que si les États-Unis et la Chine comprennent par exemple en même temps les États-Unis ont une avance euh, une grosse avance sur la Chine donc la Chine n'a aucune chance de les battre dans ce cas la Chine pourrait décider bon ben la super intelligence n'existe pas encore on attaque avec des bombes nucléaires par <laughs> exemple oui. euh, donc euh, ouais je pense pas que ce soit vraiment un monde dans lequel on a envie de vivre ouais, c'est très flippant et euh, est-ce que euh... Quand on n'est pas très optimiste, est-ce qu'il y a, il y a quand même un, <laughs> toi dans ta tête un chemin où tu entrevois euh, quelque chose, enfin c'est oui. quoi le salut euh, selon toi Alors il y a plusieurs, euh, plusieurs possibilités. Bon déjà d'une part c'est possible que ces modèles plateau et qu'on ne soit pas dans le bon paradigme. On ouais. enfin, pas très probable et en plus ça voudrait dire que Yann Lequin a raison, ça, ça serait vraiment chiant. Mais, <laughs> mais bon, c'est possible, <laughs> c'est possible que les. <coughs> Pardon. Non, bon, LLM... De toute façon, il a, il a tort, quoi qu'il arrive, de ne pas envisager la probabilité. Oui, que... ça, c'est complètement ouais. absurde euh, de ne pas envisager le, le scénario Bref. pessimiste probable. Hum. Euh, donc, si ces modèles s'arrêtent de s'améliorer, auquel cas, cool, ça nous donne pas mal d'années. Même si le fait que les gens soient en train d'essayer aussi rapidement possible de, 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 de créer ces systèmes. Ça reste quand même très très mauvaise dynamique. Donc, si LLM s'arrête de marcher, c'est possible qu'il y ait de toute façon de nouvelles avancées autre part qui font que si c'est pas dans trois ans, ce sera dans, dans six ans. Euh, bon, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'il y ait des euh, ce qu'on appelle des warning shots. Donc, euh, comme je le disais au début, on est on a la chance d'être dans un scénario assez lent où le, les, ces modèles s'améliorent euh, de façon relativement graduelle. Même si c'est quand même extrêmement rapide, hein, on parle, ChatGPT n'existait pas il y, a, il y a trois ans et les gens oublient qu'il y a trois ans on n'avait pas encore. L'idée de machine qui pensait, c'était de la science-fiction totale. Mmh. Maintenant on en a et pff, les gens sont en mode oh, c'est normal. <laughs> euh, mais bon, si jamais. Euh, donc, étant donné qu'on est dans ce, ce truc d'évolution lente, c'est possible qu'il y ait des warning shots, c'est-à-dire des, des espèces de catastrophes mineures qui font soudainement ouvrir les yeux à une grande partie de la population mondiale. Donc typiquement, euh, un modèle qui devient très bon en programmation et en hacking et qui commence à hacker de façon autonome des sites web, et si on a de la chance, on arrive à l'arrêter. Bon, si jamais on n'arrive pas à l'arrêter et que ça, ça démolit Internet, là, on n'est plus sur une catastrophe mineure, on est sur une, une catastrophe très, très, très majeure. Mais si jamais ça s'arrête à temps, là, il y a moyen que d'un seul coup, tout le monde ouvre les yeux et qu'on dise, OK, on arrête ça tout de suite. Ah oui. On, on, on empêche. La, dans ce cas, on pourrait imaginer euh, potentiellement l'armée qui va arrêter les labodias, etc. Mmh. Euh, là, c'est aussi possible que d'un seul coup, euh, les gens, les militaires prennent conscience de la puissance de cette technologie et décident de faire leur projet Manhattan. Bon, il y a quand même potentiellement des scénarios positifs là-dedans, c'est-à-dire que euh, c'est possible que si les gens comprennent vraiment cette technologie, ne soient pas toujours un peu dans le déni et se disent Ah, si on l'a créé en premier, on a gagné et, et c'est tout. S'ils comprennent vraiment que s'ils l'a créé en premier, mais ils l'a créé à l'arrache dans trois ans, ils n'ont pas gagné, juste tout le monde est mort. Euh, dans ce cas-là, s'ils arrivent à avoir ce niveau de compréhension, alors ça ouvre des possibilités. Ils pourraient, dans ce cas, vraiment travailler sur créer un traité international faire en sorte qu'on on mette en place des systèmes pour détecter. Qui est en train de créer ces systèmes. C'est faisable pour le moment. Donc on parle de, de, de modèles immenses avec des centres de données énormes. Ce n'est oui, pas quelque chose vrai. que quelqu'un peut faire dans son, dans son grenier. Heureusement. Euh, donc, c'est possible de mettre en place des, euh, des systèmes pour arrêter ça. On peut aussi arrêter. Donc, Il y a un autre bottleneck qui existe, qui est, qui est qui, heureusement qu'il existe c'est la production des, des puces d'intelligence artificielle. Donc, là, pour le moment, ces modèles ils demandent des puces très spécialisées. Et qui sont produits que, donc 80% sont produits à Taïwan par TSMC. Mmh. Et les machines qui produisent ces puces ne sont créées que par une seule boîte dans le monde, aux Pays-Bas, ASML. Euh, C'est les seuls qui ont la, la connaissance et la capacité pour créer les machines qui créent les, les puces. Donc, c'est possible aussi d'influer à ce niveau-là. Si on disait on arrête de créer, Donc, si on dit on arrête de créer ces puces, oui. c'est bon, il n'y a plus de problème. Oui, j'avais entendu, euh, ça me revient, j'avais entendu cet argument aussi qu'il euh, y avait un bottleneck à ce moment-là. Oui, c'est intéressant ouais. ça. Et pour revenir à, à l'analogie avec le réchauffement climatique, c'est quand même d'un autre côté un problème plus simple, dans le sens où le réchauffement climatique, chaque personne sur cette planète est un peu coupable, parce que c'est inscrit dans notre mode de vie, tout ce qu'on fait, euh, mmh. qu fait rend le problème plus grave. Alors que là, on parle juste de 1000 personnes dans le monde qui sont en train de créer ouais. ces modèles qui, qui, vont, qui vont probablement euh, tuer tout le monde. Du coup, il suffit d'arrêter ces gens, en fait. On peut voir ça comme ça et ça paraît un peu, plus, euh, un peu mmh. plus faisable. Il y a aussi quelques personnes dans le monde qui ont une influence fantastique. Genre, si, si Sam Altman, d'un seul coup, décidait Ok, j'arrête de, de gambler et je vais prendre vraiment la parole et aller parler devant le Sénat américain et dire ok il faut que vous m'arrêtiez vraiment là <laughs> on te demande euh, si jamais Yann Lequin décidait de, de changer d'avis et, euh, et ouvrait les yeux et disait en fait j'ai déconné euh, ces modèles sont vraiment dangereux ça pourrait d'un seul coup euh, mettre en place un moratoire euh, ouvrir des portes mais Elon Musk il n'est pas un peu sur cette tangente là ou pas je, ah bah je le problème d'Elon de Musk c'est que il dit tout et son contraire ouais, d il n'est pas et vraiment pris au sérieux par qui que ce soit c'est un petit peu un problème avec Twitter quoi. Oui, euh, donc oui, mmh. souvent, enfin lui, il pense clairement qu'il y a un risque d'extinction humaine, mais étant donné qu'il s'est discrédité en disant oui, oui. plein d'autres choses pas très crédibles, c'est ouais, pas... même contre-productif parfois quand il prend la parole pour ça. Mmh. <laughs> bah, je vois ce que tu veux dire. Ok, ouais, donc, euh... ouais, donc soit, soit plateau, soit... Euh... Ouais. Mais moi, je reste optimiste dans le sens où, euh, donc c'est pour ça que je fais Pause AI. Je pense qu'il y a vraiment un levier d'action avec la population. Pour moi, c'est avant tout un problème de communication et de coordination humaine. Ah, comme avec le nucléaire. Faut le... <laughs> comme avec le nucléaire. Faut... Ah. Non, mais le nucléaire, tu sais, ça fait flipper les gens alors que, euh, alors que bon, c'est probablement quand tu... Enfin, c est, c est... du coup, pas... l'analogie n'est pas bonne. Parce que moi, je suis perso, euh, je, je pense que c'est une bonne solution et que c'est plutôt mmh. safe, mais ça fait flipper les gens. Euh, Est-ce que si euh, les gens... Euh, euh, je ne sais, sais, sais pas où je vais avec ma, mon raisonnement, mais est-ce que si les gens flippaient pas un peu, euh, mais là pour ouais. le coup, à juste titre euh, de l'IA, est-ce que ça ne créerait pas aussi une pression sur la politique Je pense qu'on oui. qu n'est vraiment pas sur un problème de. Il faut que les gens aient, aient plus peur, parce que les gens ont déjà peur. Quand on regarde tous les sondages, euh, 70% des gens sur cette planète comprennent en fait le, le problème de façon assez intuitive, parce que ce n'est pas, pas un problème si compliqué que ça à comprendre. Genre, euh, on crée quelque chose de plus intelligent que nous, ça paraît dangereux, il vaut mieux pas le faire. Bon, la plupart des gens ont cette intuition, ils ont vu des films, euh, ils ont vu des films de science-fiction... Ouais, mais attends, justement, ça, je voulais te poser la question, euh, parce que... Euh, non, non, justement, je, je, vais, je vais essayer de, de pousser euh, mmh. contre ce point-là, parce que euh, je trouve que vous allez avoir une mission euh, qui est quand même très difficile, et ça va être... Euh, euh, j'essaie de le formuler bien mais ça, mais ça, ça va être la mission de réussir à naviguer à travers les attaques à dominem à travers mmh. les moqueries à travers les caricatures et, euh, et j'ai l'impression que ça va pas être évident quand même c'est à dire que j'ai l'impression qu'il va y avoir un vrai euh, taf de communication où en gros va falloir battre euh, les gens qui euh, vous discréditent euh, de bien manière sûr. malhonnête en fait c'est vrai et il faut comprendre que ces gens ont des gros, gros moyens. C'est-à-dire qu'on parle ouais. en gros bah, de, de Facebook. de euh, Du coup, bah, c'est déjà le cas. Hein. Il y a déjà, en gros, une grosse, grosse campagne. Donc, euh, Facebook a investi, je crois, 180 millions de dollars dans du lobbying pour, euh, en gros, dire que l'intelligence artificielle n'a pas de risque. C'est ce que fait Yann Lequin. Hein. Son, son travail de tous les jours, c'est d'aller dans les médias <laughs> et de dire qu'il n'y a aucun risque. Euh, et il réussit assez bien, mais... Il faut penser quand même que la vérité qui est assez évidente est de notre côté. C'est-à-dire que euh, ce qui mmh. se passe, on peut réfléchir à ça d'un point de vue psychologique aussi. En gros, il y a des phénomène qui s'appelle le, le contrarianisme. Donc, en gros, y a, y a une, euh, y a la plupart des gens ont naturellement la bonne intuition. De, genre, si on crée un système, une espèce plus intelligente que nous sur cette planète, c'est très oui, dangereux pour nous. C'est facile à expliquer. Ensuite. Si on veut avoir l'air d'un pseudo-intellectuel, on peut commencer à prendre le contrepoint, parce qu'il y, y a des arguments qui existent, qui paraissent un peu... Euh... Alambiqués. Ouais, qui, qui paraissent un peu alambiqués, et en fait, il y, a, il y a quand même un phénomène psychologique qui est, genre, si on commence à, à prendre le contrepoint sur un problème qui paraît évident, ça nous fait paraître plus intelligents. Oui. Il y a beaucoup de gens qui font ça en ce moment dans les médias. Donc, typiquement, ça va être la, la question de l'emploi. Donc, euh, il y a cette idée qui est quand même assez intuitive, que si on crée quelque chose qui automatise tous les emplois humains, euh, on ne sait pas quoi faire, on est mal, et on peut prendre le contrepoint et dire Ah, mais regardez la révolution industrielle, oui, on a oui, automatisé oui. une bonne partie et tout s'est bien passé. Et là, d'un seul coup, on a l'air intelligent. Même <laughs> si quand on creuse, en fait, on n'a pas du tout adressé le problème dont on parle, on a juste redéfini le, le problème d'une façon qui nous arrange. Euh, et du coup, il y, y a ce phénomène qui est en train de se jouer. Le, le truc, c'est que c'est vraiment pas difficile, en fait, de, de débunker tous ces, tous ces arguments. Donc, il y, y a ça qui est de notre côté. Euh, le fait, je pense que le fait que les gens ont la bonne intuition, le fait que les gens vont commencer à voir des choses se passer, qui d'un seul coup, on a beau utiliser des arguments comme ⁇ Ah, on va déplacer l'emploi ⁇ à partir du moment où, où une grosse partie de la population perd son emploi, ils vont commencer à vraiment se poser des questions. C'est déjà en train de se produire dans le milieu artistique. Euh, pas beaucoup de gens qui en parlent, mais une grosse révolution qui est en train de se passer où tout le monde perd son emploi. Il euh, y a des, des gros mouvements d'artistes en colère. Donc, quand on pense à artistes, on pense à des gens qui font des, des, des peintures, mais en fait, c'est pas ça. Le gros des artistes, ça va être des, des, des designers, des, euh, des gens qui travaillent dans le gros, dans l'industrie, mais qui s'occupent de, de, de créer des, des, des images pour l'industrie. Donc, tous ces gens-là sont en train de se faire remplacer en masse. Et euh, c'est pas comme si on leur proposait une, une option de remplacement. C'est juste, ils se font virer. Euh, ça va se propager un, un peu à toute la population. Si on a de la chance. C'est catastrophique, mais si on a la chance, ça arrive avant qu'il y ait des problèmes beaucoup plus graves, comme une coupure généralisée d'Internet ou euh, euh, d'autres problèmes. Et si ça, ça arrive, on pense que là, il va vraiment y avoir un retournement et on va arrêter d'écouter ces pseudo-intellectuels qui, qui racontent n'importe quoi. Euh, en vrai, il suffit de voir Yann Lequin dans un débat contre. Euh, donc il y avait eu un débat récemment contre. Euh, je ne sais plus qui c'était, Yosha Banjo ou. Euh, je ne sais plus qui. Mais en gros. La faiblesse des, des arguments est là. Évidemment, c'est pas, pas tout ce qui se joue. Il y, y a beaucoup de. Genre, si on regarde Trump, c'est quelqu'un qui a tendance à pas forcément avoir la, la vérité de son côté oui, et qui oui, juste balance des mensonges. Donc ça a sens et ça marche. Ouais. Donc euh, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. <laughs> mais euh, je pense qu'ouais, je, je, je reste optimiste. Je pense que quand même, la euh, plupart des gens ont la bonne intuition. Et... Bah écoute, euh, ouais, je regarde l'heure, euh, donc. Euh... Enfin, j ai, j ai un... Donc, je ne sais pas, est-ce que toi, il y a, y a un sujet que, dont on n'a pas parlé, que tu voudrais aborder Est-ce qu'on est bien enfin... Alors, oui, il y a un truc, c'est que dans le, sur, sur le même, le même sujet, c'est qu'en fait, j'ai remarqué que beaucoup de gens comprennent vraiment qu'il y a un problème qui se passe, mais il y a une dynamique aussi qui est euh, que ce n'est pas socialement acceptable d'en parler pour le moment. Ah, c'est vrai, oui. Mmh. Euh, dans, dans les milieux, euh, la, la, la plupart des milieux dans ce pays. Euh, ça reste quand même trop dans le domaine de la science-fiction. Ça fait complotiste. Et ça, ça fait complotiste. Il y, a, il y a ce genre de choses qui se passent. Les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, ce sont des arguments qui sont soutenus par les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle, euh, par certaines des, des personnes les plus intelligentes du monde. On ne parle pas de, de complotiste. Euh, mais mais du coup, il y a quand même ce, ce poids social. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui sont dans un dans leur milieu euh, social, qui pensent en fait la même chose que leurs amis là-dessus, mais qui n'en ont jamais parlé. Parce mmh. que, euh, parce que voilà, ils ont peur de, de, de passer pour un fou. Et voilà, j'ai juste envie de demander aux gens d'en parler, de, de, de discuter de ça avec, euh, avec d'autres personnes. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui sont conscients du problème. Et, euh, et c'est, je pense qu'il va vraiment y avoir un espèce de déveil à un moment. Où on, on, mmh. on dépasse une masse critique. Le, le roi, le roi est nu. C'est ça. Et il y a des gens qui ont étudié ce genre de, de phénomène, donc dans mmh. les, les, mouvements, euh, les mouvements sociaux commencent à fonctionner quand il y a 1,5% de la population qui est au courant d'un problème, quelque chose comme ça, et qui commence à en discuter. Donc euh, voilà, bon, le, le but de mon point de vue, c'est vraiment d'atteindre cette masse critique. Donc je demande vraiment aux gens de s'informer. Ce que je demande aux gens de faire aussi, c'est... Beaucoup de gens n'ont pas vraiment une opinion sur les, euh, les timelines, c'est-à-dire que... Certaines gens sont au courant que OpenAI est en train de créer une super intelligence, mais ils n'ont pas trop réfléchi. Et en fait, même peu importe son point de vue, je, je demande aux gens, essayez de vous renseigner et ayez une opinion sur quand est-ce que ça va se produire. Parce que même si vous croyez pas au risque existentiel, on parle quand même d'un système qui va automatiser votre boulot, quel que soit votre boulot. Donc, si vous voulez avoir un plan de carrière ou si vous voulez réfléchir à, au futur dans plus de trois ans, commencez à vous pencher sur ce problème allez regarder. Euh, dans combien de temps mon boulot va être automatisé d'après euh, les études qui sont faites. Et euh, globalement, il y a quand même de fortes chances que d'ici trois ans, quel que soit votre travail, il soit automatisé. <laughs> Donc, euh, c'est un, un bon levier pour, euh, pour permettre aux gens d'ouvrir les yeux là-dessus. Ah, super. Autre chose Bon, voilà. <laughs> bah, C'était très, très cool. Je sais pas si, si, si je ressors avec, euh, avec la joie de vivre. <laughs> de cet échange mais c'était vraiment très très cool, enfin c'est vraiment un sujet, c est, c est un sujet passionnant. Après trois ans c'est très long, hein. on peut faire plein de choses euh, trois ans. Ouais, c'est bien, c'est optimiste. <rire> <rire> bon, bah merci. Cool. Merci à toi. Ah là là. Ouh.